Et nous voici en live, coucou tout le monde. Ça commence à faire un petit moment qu'on a pas fait de live, je crois. La dernière fois, c'était avec Francine et Patrick. Et rappelez-vous, on avait parlé de... Et rappelez-vous, on avait parlé des ovnis, c'était super sympa. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un nouvel invité de qualité supérieure, je vous prie de le croire. Il s'agit de Hugo Mercier, qui est chercheur au CNRS en sciences cognitives et qui est co-auteur avec, alors laissez-moi regarder mes antisèches car j'ai une mémoire des noms déplorables, Dan Sperber, de la théorie argumentative du raisonnement. Et on va le laisser dire bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Mais il est à Neuchâtel aujourd'hui, parce qu'il est aussi à l'université de Neuchâtel. En ce moment, il se trouve que je suis en Bretagne Sud, mais par ailleurs, en ce moment, je suis officiellement à l'université de Neuchâtel. C'est vraiment pas notre soirée du succès. Bonjour, je vous rejoins. Et voici Mandax qui va intervenir sans sa marionnette pour la première fois dans les lives. Oui, c'est moi. On me voit en vrai, enfin. C'est ça. C'est émouvant. Je te laisse continuer de présenter notre invité. Non, tiens, fais-le. Non, mais bah, Fais-le pour une fois que t'es là. Donc, bien, Hugo est le co-auteur d'une théorie sur les sciences cognitives qui a un petit peu chamboulé le champ à propos de ce qu'on croit savoir sur l'origine du raisonnement et du fonctionnement du raisonnement humain. Et bah bravo. Et ça, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Mais au début, on va discuter avec lui un peu de comment fonctionne le cerveau et de comment on peut définir ce que c'est qu'être rationnel et être irrationnel. Parce que c'est des mots qu'on utilise nous tous les jours, en particulier par ici, chez les esthéticiens. Et on l'utilise avec un point de vue qui n'est pas forcément celui des cognitivistes. Je pense qu'en fonction du point de vue, la définition va changer. Donc voilà, donc la première partie de l'émission, ce serait de discuter avec Hugo et en fonction des questions qu'on aura dans le public, de comment on définit ce que c'est qu'être rationnel, quelles sont les limites de la rationalité et quels sont les différents niveaux, les différents points de vue, parce que je pense qu'il y a plusieurs définitions, non? Et là, tu as la parole et c'est à toi. Tout à fait, oui. Alors, c'est une question très large. Une façon de définir la rationalité, c'est simplement de dire... Est-ce qu'il y a une adéquation entre les objectifs qu'ont les gens et les moyens qu'ils mettent en œuvre pour achever ces objectifs, enfin, je vais faire des anglicismes tout le temps, pour parvenir à ces objectifs. Donc par exemple, s'il y a quelqu'un qui dit, bon bah, moi mon objectif c'est d'avoir le plus d'argent possible, si on voit que cette personne devient un banquier d'affaires, bah, ça semble être quelque chose d'assez rationnel. Enfin, et en fait, ce qui est l'avantage de cette définition, c'est qu'elle est très souple en fait, donc elle ne présuppose pas que les gens vont avoir tel ou tel objectif. Si l'objectif de quelqu'un, c'est juste de maximiser son bonheur à court terme, peut-être que de devenir héroïnomane, ça peut être une bonne solution. Donc il n'y a pas de... ça reste extrêmement flexible. Nous ne faisons pas l'apologie de l'héroïne. Je tiens à le signaler pour tous les gens des RG qui pourraient être en train de nous écouter. Voilà, tu peux continuer. Donc non, oui, en effet, donc il y a d'autres drogues qui pourraient être aussi efficaces. Et... donc l'avantage, donc, c'est cette espèce de flexibilité qui permet de rendre compte d'un ensemble de très divers de comportements. Mais cette flexibilité est aussi un désavantage dans le sens où, du coup, c'est dur de dire ce qui est rationnel et ce qui ne l'est pas, dans le sens où on peut toujours, quand on observe le comportement de quelqu'un, dire « Ah bah, en fait, il a fait exactement le comportement qu'il fallait pour maximiser ses objectifs. » Et du coup, c'est très difficile de savoir quand les gens sont rationnels ou pas. Et du coup, une autre manière que les gens ont utilisé de définir la rationalité, c'est d'utiliser un ensemble de critères normatifs pour dire, bah, voilà, quelqu'un qui est rationnel, par exemple, il devrait respecter les règles de la logique, ou bien il devrait respecter les lois des probabilités. Et quand on s'en écarte, ou quand on s'écarte trop de ces principes normatifs, alors on commence à dire que les gens sont irrationnels. Le problème, donc l'avantage de ça, c'est qu'on a du coup, on a des normes qui sont très très bien définies, comme les normes de la logique classique qui disent, bah, si on croit telle chose, on est obligé de croire telle ou telle chose par la suite. Le problème, c'est que c'est souvent pas très réaliste, parce que ces lois, comme les lois de la logique, sont souvent assez peu flexibles. Des fois, on peut très bien les appliquer, en les appliquant, arriver à des choses qui, d'un point de vue un petit peu intuitif comme ça, semblent assez irrationnelles. Et donc je pense que voilà, il n'y a pas vraiment d'accord global dans les sciences sociales ou dans les sciences cognitives sur ce que serait vraiment la rationalité, je pense. Donc le problème, c'est voilà, on est un peu au point de départ, c'est-à-dire pour nous, il y a des situations dans lesquelles on va dire que cette personne est irrationnelle, mais en fonction de l'angle de vue, soit sur, enfin,
Il y a des comportements qui sont du point de vue biologique, qui vont maximiser, par exemple, la descendance, etc. Donc d'un point de vue biologique, de manière générale, ce sera rien, puisque ça sera des avantages. Mais à court terme, pas pour autant, ce comportement va permettre d'être rationnel dans le sens où ça sera en adéquation avec ce qui est vrai. Parce que, voilà, du point de vue des sceptiques que l'on est et des échanges qu'on a le plus souvent avec les gens, on s'intéresse un peu au mode de croyance et pourquoi les gens croient ce qu'ils croient. Évidemment, il y a un problème technique. Il y a un énorme écho. Alors, je me fais... Ça m'étonnerait que ça vienne de moi, comme j'ai un casque. Oui, ça serait surprenant que ça vienne de toi, effectivement. C'est sans doute chez nous. Oui, non, là c'est... On va modifier les paramètres audio. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, voilà, c'est bon. Et je vais en profiter pour expliquer aux gens du chat que le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui intéresse particulièrement Mandax, qui l'a beaucoup étudié, donc comme je suis gentil et que ça l'excite beaucoup, je vais le laisser parler beaucoup plus que moi. En plus, j'en connais beaucoup moins sur la question que lui. Je n'ai pas beaucoup étudié. C'est Hugo qui a beaucoup étudié. Mais non, mais Hugo, il l'a inventé, c'est pareil. Du coup, il ne l'a pas étudié. Mais là, si. Non. Il a tout fait. Mais il n'a rien eu, il a tout écrit. C'est triché. C'est pas comme ça que ça marche, la science. Bah, si, hein. Alors, il y a un écho, mais on ne sait pas d'où ça vient, en fait. Ouais. Voilà, du coup, on fait une petite pause, vu ce qu'on est payé. J'en profite pour dire plein de bêtises. Bien. Salut, l'air. Du coup, nous sommes accueillis chez notre ami Corby, qui s'occupe de la maintenance technique et qui gère le son de main de maître. Et qui a un décor beaucoup plus soigné que le nôtre, à dire ce qui est. On est pirate. Donc, merci beaucoup, Corby, de ton aide. Ce serait quand même bien qu'on sache si on peut continuer. Attends, je vais chercher le chat. Parce que c'est compliqué d'avoir une discussion un peu structurée si on se coupe. Parce que moi, j'ai déjà tout où j'en étais. Attends, du coup, parle. Je parle. Il faut voir parce que. Ah, alors. Parfait. Du coup, ce sera une émission avec des chats. Je vais ramener des vues. Ah, on est passé à 8000. Bonjour, grâce. Et je danse. Non. Notre invité est mortifié. Pas du tout, je suis en train de suivre les commentaires, ça c'est rigolo. Ah, pardon. J'ai touché les choses pendant que tu fais les réglages, ça va pas le faire. Merde. Tinconf. Doulip. Bon. Ah ouais, alors pour le chat, je vais pas taper assez vite. Non, faut pas partir, je suis sûr qu'ils vont trouver, ils vont trouver une solution. Vlel fait sa putaclic avec mon chat. Oui. On met un casque. Allez, on met un casque. Tu as ton casque avec les oreillettes. Tu le sors. Voilà. On va voir un écouteur toute beauté jaune vif. Moi, j'ai très honte. C'est votre micro qui a l'écho. Est-ce qu'il n'y aurait pas les deux micros qui marchent? Est-ce qu'on peut déconnecter le micro de la webcam intégré dans l'ordinateur? On va essayer. Tu voulais naviguer dessus. Je me mets au milieu. C'est moi le chef, le bled. Ah mince, il est revenu. Hop là, là. Bref. Après déjà avoir une minute de retard, voilà qu'on n'arrive pas à avoir un son propre. Est-ce que vous, Hugo, tu peux nous parler un petit peu? Ah oui. C'est juste pour tester le son ou vraiment que je raconte des choses intéressantes? On peut faire les deux. Alors, c'est pas faux. On n'a pas le son de chez lui. Il est là, son de chez lui. Non, ça vient de chez lui, en fait. Comment ça, c'est possible? Alors, on va passer tout un live à essayer de comprendre pourquoi le son fait de l'écho. On change de... Il y a des commentaires qui me soutiennent en disant que l'écho provient de chez vous. Mais du coup, j'ai l'impression. Moi, je vois pas comment ce serait possible dans la mesure où j'ai un casque. Il n'y a pas de bouclé. Le son chez lui, parce que qui sort en dehors du casque. En revanche, ça va être deux micros. Et que les deux fonctionnent. Mais là, les deux micros fonctionnent parce que ce que ça se passe, c'est désactivé l'autre.
Est-ce que c'est supportable ou pas du tout? Non. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui partent. Alors comme c'est pas supportable du tout, on va changer de micro. On va prendre deux micros de l'ordinateur de base. Et puis on parlera fort. Le micro est coupé, les gens vous entendent pas, mais ils m'entendent moi. Voilà. C'est ça. Par exemple, là, je peux me moquer de vous, des choses comme ça. Ça passe. Ouais. Donc, mais on t'entend quand même. Donc, non, en fait, c'est bon, vous pouvez rien dire. Là, on a plus d'écho. C'est donc, bon. Ça marche nickel, en fait, c'est que chez nous. Donc, du coup, ah, c'est bon, il n'y a plus d'écho, les commentaires. Tu reprends, pendant ce temps-là, nous, on change le micro, et donc. Non, là, c'est bon. Là, ça tourne nickel. Ah, là, ça marche très bien. Vous touchez à rien. Mais les gens nous entendent. Voilà, les gens nous. Alors, en fait, on comprend rien, mais du coup, on a coupé le micro, et du coup, on nous entend mieux. Bien, donc on est reparti. De toute évidence, il devait prendre en même temps le son de Skype et le son du logiciel, ouais. Et là, il n'a que le son de Skype. Voilà. Ah, c'est ça. Très bien, ça pose pas de problème. On a trouvé on comprend une solution, des choses. C'est nickel. Voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes un peu teubés, mais voyez comme quoi, on peut être teubés et faire des choses bien sur YouTube. Alors, enfin, on espère. Ça. Du coup, ce qu'on disait, enfin, ce que j'essaie de dire... Et si on essayait de retirer nos magnifiques écouteurs Jack le Chien, maintenant? Ouais, on va... Attends, juste, je pose la question et je laisse Hugo développer. Donc, sur la question de la rationalité et du fait qu'il y a des comportements qui sont rationnels ou irrationnels du point de vue de la biologie, mais qui, du point de vue, on va dire, de l'épistémologie, posent problème. Il y a des comportements qui sont pas... qui ne permettent pas d'avoir accès à la vérité. Et nous, on s'intéresse un peu à ça par rapport à l'angle de notre chaîne. Et dans quelle mesure on peut dire que ces comportements sont ou pas irrationnels? Est-ce qu'on a raison de le dire, en fait, voilà. C'est une question conne, je sais. C'est comme ça. Est-ce qu'on n'est pas plus dans la philosophie qu'autre chose, là? Oui, c'est ça, en fait. C'est une question, en effet, qui me semble être plus philosophique. Enfin, c'est une question qui est normative. Donc, par définition, ça, c'est pas vraiment une question scientifique, en fait. Vous pouvez dire, est-ce que vous pouvez... Une question scientifique, c'est-à-dire, est-ce que les gens ont tort ou ont raison? Après, pour dire pour que la rationalité devienne vraiment une question scientifique, il faut en effet avoir des critères plus ou moins, des critères assez bien définis. Oui, et ça, c'est pas évident. Je parle de dans les gens qu'on peut croiser qui s'intéressent à pas mal de phénomènes un peu paranormaux, certains veulent avoir une démarche rationnelle et beaucoup échouent. Mais d'un point de vue épistémologique, on se rend compte qu'ils ne se posent pas les bonnes questions, il n'y a pas de méthode de travail, mais évidemment que de leur côté, à eux, puisqu'ils s'appuient sur des arguments et des preuves qu'ils croient solides, bah, dans leur cadre local de cohérence, c'est rationnel. Ils sont cohérents, ils doivent très bien. Tout à fait raison. Voilà, mais est-ce que cette cohérence-là, c'est suffisant pour dire qu'on est rationnel? Ben, ça dépend. Ce que j'ai dit avant, c'est que je pense pas qu'il y ait un accord sur ce que ça veut dire d'être rationnel. En tout cas, moi, je sais que j'ai pas une bonne définition de ce que ça veut dire. Et donc, du coup, quand tu me demandes est-ce que quelqu'un est rationnel ou pas, juste, j'ai pas de bonne norme pour dire si c'est. Moi, je suis quelqu'un. Je fais des trucs assez descriptifs. En fait, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment les gens réfléchissent, comment est-ce qu'ils raisonnent, comment est-ce qu'ils font des inférences. Après, de dire est-ce que c'est rationnel ou pas. Je sais pas, en fait. Oui, mais c'est une bonne question parce que on a eu le problème. Par exemple, j'ai fait un débat avec un apologète protestant. Enfin bref. Et justement, il avait sa démarche à lui, c'est-à-dire qu'il pouvait prouver rationnellement que Dieu existe. Mm-hmm. Mais il n'avait pas la même définition de que moi de ce que c'est que être rationaliste. Il avait une vision très très philosophique de la chose, etc. Il avait une vision qui n'était pas du tout empirique. Il considérait qu'on pouvait être rationaliste avec uniquement une approche cartésienne au sens ancien du terme, avec uniquement des propositions abstraites et des inférences logiques. Et d'un certain point de vue, c'est vrai, c'est être rationnel. Mais est-ce que dans le monde actuel, où on est éclairé par la science, est-ce que c'est ça être rationnel? Du coup, je me demande, est-ce que ma question a du sens? Peut-être qu'elle n'en a pas. Je me demande aussi, du coup, est-ce qu'il y a une réelle différence entre rationnel et raisonnable, du coup, par rapport à ce que tu dis? Je sais pas. J'ai peur que, en effet, dans tous ces débats-là,
Tant qu'on ne s'est pas mis d'accord, enfin, c'est ce qui a l'air de s'être passé dans ton débat avec cette personne protestante, tant qu'il n'y a pas un accord déjà sur ce que ça veut dire d'être rationnel, le fait de s'accuser, enfin, de lancer des accusations d'irrationalité, ça ne mène pas à grand-chose, parce qu'on ne veut pas dire la même chose. Donc, et en effet, moi, je dois dire, j'ai pas de bonne définition de rationalité à offrir. Enfin, j'en ai juste pas, donc je sais pas si vous en avez une. En effet, il me semble. Donc, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'en effet, enfin, ce qu'on peut dire, ce qui me semble raisonnable, c'est que, en effet, si on veut, la meilleure manière d'obtenir des croyances vraies sur le monde, c'est la méthode scientifique. Et je veux dire, ça me paraît être prouvé, bien au-delà de l'ombre de la dernière ombre de doute. Après, en effet, est-ce que c'est irrationnel de rejeter ça? Ça dépend, en effet, si on veut, le fait d'avoir les meilleures croyances, les croyances les plus vraies possibles sur le monde n'est pas forcément l'objectif de tout le monde. Voilà, c'est ça. Après, pour comment définir la rationalité, c'est une question qui est compliquée, parce que, comme tu dis, il n'y a pas de consensus total, quoi. Oui, mais après je pense que ça dépend aussi des disciplines. La manière dont on définit être rationnel, c'est pas la même chose pour quelqu'un qui s'intéresse à l'écologie, ou à la biologie des populations, ou quelqu'un qui s'intéresse à la psychologie de l'individu, ou à quelqu'un qui s'intéresse à des événements à court terme ou à long terme, un épistémologue. En évolution, je pense que les gens utilisent très peu le terme. Ils utilisent des outils comme la théorie des jeux, qui font appel à des concepts qui sont un petit peu comme ça, mais je pense que, par exemple, on peut très bien utiliser la théorie des jeux pour expliquer le comportement des bactéries. Je pense pas que, à mon avis, des biologistes s'amuseraient à dire que les bactéries sont pour autant rationnelles. Ils pourraient le dire, mais à nouveau, ce serait dans un sens assez différent de celui auquel on l'emploie quotidiennement. D'accord. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Alors, du coup, dans le cadre de la communauté sceptique, etc., et des gens qui, enfin, de l'épistémologie, du peu que je sais de l'épistémologie, la rationalité, ça serait l'exercice de la raison. Bon, jusque-là, on va en parler avec toi après, parce que la raison, c'est plutôt ça. C'est un peu le problème. Que, là aussi, on a encore un mot qui est aussi un petit peu vague, un peu difficile à appréhender, mais c'est l'exercice de la raison, donc des inférences logiques, de l'articulation des inférences logiques les unes par rapport aux autres, et la mise à l'épreuve par rapport au monde réel, et le retour d'expérience. Donc, il y a forcément de l'empirisme dans la manière dont, à l'heure actuelle, on regarde ce qui est rationnel. Et il ne faut pas mettre un signe égal entre science et rationnel, sur science et raison, c'est compliqué, mais en l'occurrence, par rapport à la démarche à nous, la correspondance est relativement proche. C'est-à-dire que il n'y a pas de science sans empirisme, et à mon sens, il n'y a pas de rationalité sans passage par le test de ce qu'on croit à l'épreuve du monde. Voilà, ça c'est le point de vue que moi je défends, et qui est plus ou moins ce qu'on voit dans les discussions zététiques, à savoir les gens qui s'intéressent à comment on teste les croyances. En effet, ça dépend. Si on fait des mathématiques, il n'y a pas besoin de l'empirisme, à rien à y faire pour la peine. Mais bon, c'est une exception plutôt qu'autre chose. Est-ce que les maths sont une science? Ça dépend comment on définit science. Enfin, nous, tout ça, c'est des problèmes qu'en effet j'essaie d'éviter comme la peste, parce que c'est des problèmes sémantiques, en fait, c'est juste des problèmes de définition. Enfin, en effet, Oui, mais la sémantique, on dit juste, mais sans sémantique, on ne peut pas échanger. Donc, on a besoin de ça pour communiquer. Je suis d'accord que ce n'est pas le cœur des questions qu'on se pose. Mais quand on veut communiquer avec les autres, il faut que ça se soit réglé, au moins que ce soit mis en lumière. Sans être pessimiste, ça fait 3 000 ans que les gens essaient de se mettre d'accord là-dessus, avec un succès très limité, voire même avec un succès inverse, en fait, parce que donc il y a probablement une diversité d'opinions là-dessus qui est largement supérieure maintenant à ce qu'elle a jamais été dans le passé. Donc voilà, c'est pas pour être pessimiste. Est-ce que justement c'est pas le moment idéal pour essayer de se mettre d'accord sur les définitions? Et de toute manière, dans la mesure où là on est en train de discuter de ces définitions là, on peut tout simplement établir la définition qu'on en donne dans le cadre de cette discussion là et expliquer que simplement c'est dans le cadre de ce qu'on dit là. Bien sûr, toujours. Et ça, de toute manière, ce sera nécessaire si on veut que la discussion se passe correctement. Oui. Donc, messieurs, définissez rationalité, je vous regarde. Non, mais on n'est pas là pour proposer... Moi, j'aimerais discuter... Enfin, je trouve super intéressant... Sans proposer une définition universelle, on sera obligé de proposer une définition si on peut continuer à discuter. Proposer la mienne, mais de toute façon, on va parler après d'autres choses. Mais c'est intéressant de voir avec un collectiviste que, justement, cette question-là, elle n'est pas au cœur des questions qu'on se pose.
Bah, il y a des gens, c'est pas au cœur des questions que je me pose moi. Et je pense que j'ai... Donc, c'est un choix de principe, quoi. C'est pas juste que ça m'intéresse pas, c'est que je pense pas que ce soit une bonne manière de procéder. Ouais. Mais non, disons que on pourrait passer toute la soirée, de nombreuses, nombreuses nuits à essayer de définir la rationalité. Donc, c'est pour ça que je le fais pas, parce qu'on va pas y arriver. Enfin, c'est ça. Même si on sait, c'est même quelque part le sujet en soi, du coup, ça suggère que le sujet n'est pas forcément un sujet intéressant. C'est un de ces termes qui est juste, c'est pas comment dire en anglais, c'est pas un natural kind, quoi. C'est pas quelque chose qui existe dans la nature, quoi. Il n'y a pas des choses, c'est pas comme je sais pas moi, le foie ou le cœur ou tel ou tel mécanisme cognitif qu'on peut identifier. Ou... C'est une notion qui est forcément floue parce que. Donc je sais pas, je suis pas sûr que ce soit. Donc c'est mon impression, mais c'est peut-être que j'ai tort, mais. Non, mais c'est. Enfin, je suis à peu près convaincu qu'il y a beaucoup de concepts qui sont beaucoup plus flous que ce qu'on veut croire. Bien sûr. Et qu'on donne, on a des mots avec des cases et on est content, ça marche bien, mais sur les bords, bien souvent ça marche pas. On s'en rend pas compte. Avec ce concept-là, on est assez vite sur les bords et on se rend compte que sur les bords ça marche pas. Mais non, c'est surtout que c'est un concept qui est en effet souvent utilisé dans des débats adversariaux et du coup, forcément, c'est quasiment. Ce serait intéressant de regarder historiquement, mais mon intuition, c'est que historiquement, c'est un concept qui a été utilisé quasiment uniquement pour dire aux gens qui font les trucs pas comme nous qu'ils sont irrationnels. C'est impossible. Et donc, du coup, forcément, dès qu'il est utilisé, il se prête à débat. Voilà, qu'est-ce que ce serait donc, si, en effet, je suis d'accord avec vous, si on voulait avoir une approche scientifique, qu'est-ce que ce serait qu'une science de la rationalité? Comment est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord? Quels sont les points de vue? En effet, tu parlais d'expérience. Quelles sont les expériences que tu pourrais faire pour savoir si ta définition de la rationalité est la bonne? Enfin, tu vois, si tu appliques un petit peu tes propres critères à ce que tu essayes de faire, je vois pas comment. Genre, à nouveau, si les gens ont essayé de faire ça pendant longtemps et avec un succès assez limité, je pense. Oui, je pense. Comme tu dis, c'est assez. C'est pas une natural kind, comme on parlait. C'est pas un objet de la nature, c'est vraiment un objet de notre compréhension. Oui, c'est un terme qui est utile comme, enfin je sais pas moi, les exemples typiques genre bon, ça, la morale c'est pas... à la morale c'est un peu, c'est probablement un exemple comme ça, mais il y a des gens qui pourraient discuter qui ont fait l'hypothèse que une bonne partie ou la majorité des comportements moraux ou de la cognition morale dépend d'un ensemble assez restreint de mécanismes cognitifs qui a vraiment évolué pour faire ça, quoi, pour faire de la morale. Un sens qui est assez proche du sens courant. Mm-hmm. Et du coup, là, ce serait possible que ce soit plus proche d'un, un peu plus proche d'un natural kind. Ouais, c'est plus simple. La rationalité, justement, ça me paraît plus complexe parce que ce dont on va discuter un peu ensuite, ce sera donc du raisonnement qui est un mécanisme cognitif parmi plein d'autres. Le problème, c'est que la rationalité, en général, tel que le terme a été utilisé jusqu'à présent, ça s'étend à tous les mécanismes cognitifs dans le sens où on peut très bien prendre des décisions rationnelles sans impliquer le raisonnement. Ou à l'inverse, prendre des décisions irrationnelles avec l'aide du raisonnement. Donc là, le match entre un mécanisme cognitif ou un petit ensemble de mécanismes cognitifs et un terme se ferait beaucoup moins bien que dans le cas de la morale, par exemple. Typiquement, ce que tu veux dire, c'est que prendre une décision qui ne serait pas raisonnée, mais qui serait rationnelle quand même, a priori, c'est choquant. Pour les gens qui nous écoutent, ils vont dire, mais comment c'est possible? Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de dire que dans la manière dont tu utilises rationnel, c'est par rapport aux conséquences de l'acte. De décision. La décision, au final, elle est bonne pour les intérêts d'un individu. Non. Non. Enfin, je sais pas. À nouveau, j'ai pas. Je veux pas utiliser le terme rationnel. C'est ça. Donc, vous faites ce que vous voulez avec, mais moi, je veux pas m'en servir. Enfin, j'ai pas. Voilà quoi. Donc. Alors, comment on parle du raisonnement si on n'est pas capable de se mettre d'accord sur ce que c'est que rationnel. On peut décrire un mécanisme cognitif. On peut décrire la façon dont il fonctionne. Sans nécessairement vouloir dire est-ce qu'il fonctionne bien ou pas bien. Et on peut, donc c'est un petit peu comme si on essayait d'utiliser des critères normatifs pour décrire le système visuel. En fait, ce serait très bizarre en fait de dire est-ce que notre système visuel est rationnel ou pas. Ce serait assez étrange. Et le raisonnement est juste un mécanisme cognitif parmi d'autres. Donc c'est pas. En effet, je veux dire, c'est. Oui, pardon. L'œil, s'il fonctionne, on est capable de dire. Enfin, si on peut discriminer deux longueurs d'onde, admettons qu'on est. Quand on voit les trois couleurs primaires, qui sont les couleurs primaires, je te goûte.
Bon, je ne vais pas dire ce que je ne suis pas sûr de moi. J'ai une bêtise. On a trois types le rouge, de... Le rouge, le vert. Et le bleu. Et le bleu. On a, trois, c'est le rouge, le vert, on a trois types de récepteurs. Et voilà. Et on peut juste voir s'ils fonctionnent ou pas. Et voir s'ils rendent compte ou non de la réalité. On présente à la personne un objet d'une certaine couleur. Est-ce qu'elle est capable de reconnaître? Oui, mais je mets dans ce cas-là, on parlera pas de rationalité. En effet, on peut faire la même oui. chose avec le raisonnement. On peut trouver des cas où le raisonnement dysfonctionne, mais le problème, c'est que c'est beaucoup beaucoup plus compliqué à établir parce que donc à nouveau, je sais pas dans quelle mesure on anticipe un petit peu sur ce dont vous vouliez parler plus tard, mais ce que fait le raisonnement, en tout cas selon nous. C'est, comme le nom l'indique, c'est traiter des raisons. Il se demande si, alors ce que fait le raisonnement, c'est évaluer si ce qu'on appelle typiquement une prémisse donnée, donc une croyance ou une représentation qu'on a, est une bonne raison d'accepter une conclusion donnée. Donc typiquement, pour prendre l'exemple cartésien sur Année, si tu crois que tu penses, est-ce que c'est une bonne raison de croire que tu es? Et intuitivement, ce que nous dit le raisonnement, c'est qu'en effet, ben, je pense, donc je suis, c'est un bon argument. On a l'impression que quand on croit qu'on pense, et ben c'est une bonne raison de croire qu'on est. Et ce que fait le raisonnement, c'est faire le lien entre ces deux trucs-là. Et le problème, c'est que le seul critère qu'on ait vraiment, qui soit pratique jusqu'à présent pour savoir si quelqu'un fait un bon raisonnement ou pas, c'est est-ce que les autres gens sont d'accord. Et c'est l'argument que par exemple que Descartes en effet mettait en avant pour dire bon bah la seule façon de savoir si quelqu'un a raison ou tort, c'est de voir si tout le monde est d'accord avec lui ou pas. Et en mathématiques, c'est ce qui se passe. En mathématiques, qui est un domaine de raisonnement pas pur, mais il y a beaucoup de raisonnement, enfin surtout dans les preuves, peut-être pas dans le processus de découverte, mais en tout cas dans les preuves, c'est que du raisonnement. Quand une nouvelle preuve est avancée, il y a un consensus qui se forme de manière quasiment immédiate au sein des mathématiciens pour savoir si c'est une preuve valable ou pas. Et voilà, donc on utilise ça comme critère pour savoir si la personne a bien raisonné ou pas. Quoi. Ce serait beaucoup plus dur d'arriver à un critère objectif comme c'est le cas dans le cas de la vision. C'est plus compliqué de mettre ça en place expérimentalement. Quoi. D'accord. Alors du coup, ça va être compliqué de parler sans évoquer le mot rationalité. J'ai l'impression que la différence que vous avez tous les deux dans votre approche de la chose, c'est que l'un de vous deux considère que c'est quelque chose de typiquement interne à la personne et l'autre l'utilise comme une manière de considérer la chose comme au-delà de la personne. Rationnel, c'est quelque chose qui dépasse la personne. Je sais pas ce que c'est que la rationalité, donc je suis pas sûr en tout cas. Parce que du coup, moi j'avais prévu. T'as l'air de considérer que. De ce que j'ai l'impression de retenir, que rationnel. Être rationnel, ça veut tout simplement dire être en accord avec soi-même, entre guillemets, alors que pour Mandax, la rationalité, c'est surtout. C'est au-delà de soi-même. Bah non, être en accord avec soi-même, ça suffit pas, dans le sens où moi je peux me donner plein d'arguments à moi-même qui convainquent personne. Donc ce serait ce que je voulais dire, c'était en effet, c'était même pas définir la rationalité, c'était juste définir les cas dans lesquels le raisonnement, qui est donc un des mécanismes qui pourrait être lié à la rationalité, dans quel cas est-ce que le raisonnement marche bien ou dans les cas dans lesquels il marche pas bien. En effet, donc si tu commences à dire à quelqu'un, je pense que j'ai envie d'aller au restaurant japonais ce soir parce que Mercure est la première planète après le Soleil. En effet, la plupart des gens vont trouver ça irrationnel dans le sens où ils trouvent que c'est une mauvaise raison. Il n'y a pas de lien direct. Voilà, exactement. Il n'y a aucune pertinence. La prémisse n'a aucune pertinence pour la conclusion. Et du coup, là, les gens vont avoir tendance à trouver que, bon, d'une part, c'est en soi, bien entendu, un très mauvais argument, mais que de manière plus générale, du coup, ça suggère que cette personne n'est peut-être pas très rationnelle. Enfin, surtout si elle multiplie les arguments comme ça. D'accord. Mais du coup, c'est un critère qui est assez. C'est un critère qui est. En effet, je trouve que tous les gens sont d'accord là-dessus. Mais il n'y a pas une espèce de critère immanent qui. Okay. Alors, du coup, parce que je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'utiliser de temps en temps le mot rationnel. Ouais. Donc, il faudra comprendre là que je veux dire que irrationnel, un raisonnement ou une cognition qui est conforme à ce qu'on peut vérifier dans le monde réel. Ça te semble correct? Juste pour aujourd'hui, pour la discussion, est-ce que. Je pense que j'ai passé un peu trop de temps avec des philosophes, mais quand ça me
Je suis toujours tenté quand, avec des définitions comme ça, donc c'est très facile de trouver des contre-exemples en fait. Et du coup, ce qui est pas forcément grave, ça veut pas dire que la définition est pas utile, mais ça suggère que, donc, que du coup, que moi je l'accepterais pas forcément. Enfin, en effet, comme une base de discussion, c'est pas mal, ouais. Parce que j'ai quelques questions que j'ai pu préparer pour la suite, et dans les questions, je voulais tenir compte de. Je pensais qu'on s'est mis d'accord sur, en gros, une définition de ce que c'est qu'être rationnel, et visiblement, non, mais en soi, je trouve que c'est hyper intéressant de se rendre compte que c'est très dur de mais ouais. En fait, c'est vraiment pas facile. Ces choses qui ont l'air de couler et... de source pour nous ne voilà. sont et... pas évidentes. C'est une bonne chose. Voilà. Et même par rapport aux gens, voilà, essayer que ce simple mot-là qu'on utilise tous les jours, trop souvent, ça c'est sûr, que au-delà du fait qu'il est subtil, en plus, il est même peut-être pas juste en fait. Peut-être que c'est un mot qui sera amené à disparaître lorsqu'on aura tout compris. Oui, c'est possible qu'en effet, quand on aura une meilleure science de l'esprit humain. Je sais pas s'il joue un rôle, c'est pas évident. Et du coup, la question moi, que pour après aller un peu dans le vif du sujet, c'était, donc pour parler un peu du cerveau et de son fonctionnement, etc. Le but de l'émission, c'est de se rendre compte que le cerveau, en fait, fonctionne plutôt très bien. Parce qu'on n'arrête pas, nous, de chambrer un peu le domaine en disant que le cerveau, c'est un objet milieu de gamme qui est pas utile pour... Enfin, voilà, qui est bourré de biais, etc. Il est fonctionnel, quoi. C'est vrai qu'il est bourré de biais, mais pour longtemps, c'est des biais qui d'une part, sont extrêmement minimes par rapport au fonctionnement général, et qui surtout peuvent, dans certains contextes, ne pas être des biais, peuvent avoir un intérêt. Et ça sera l'objet de... C'est l'objet de ta théorie, donc du coup... Ça, on en reparlera après, mais en effet, de manière plus générale, donc les chercheurs qui ont vraiment fait le plus, probablement, pour introduire l'idée de biais en psychologie, qui sont donc Danny Kahneman et Amos Tversky, l'ont introduit à la base, c'était le programme des heuristics and biases. Donc c'était vraiment les heuristiques et les biais. Et l'idée de ce programme, c'est de dire, pour des raisons de capacité cognitive, en fait, il fait que on peut pas tout calculer, on a forcément une capacité de calcul limitée, et puis le fait de calculer plus, ça a un coût, donc il y a un moment où il devient inefficace de calculer davantage. On doit forcément prendre des raccourcis, on peut pas calculer la solution optimale pour tout. On doit prendre des raccourcis, et forcément, quand on prend des raccourcis, enfin, c'est pas forcé d'air, mais souvent, quand on prend des raccourcis, donc ce qu'ils ont appelé des heuristiques, et ben dans ce cas-là, on va avoir des biais, c'est-à-dire qu'on va avoir un truc qui marche très bien dans la grande majorité des cas, mais qui, des fois, donne des résultats mauvais d'une façon régulière, quoi. Donc il a un biais, donc c'est-à-dire que l'idée d'un biais, c'est vraiment... que non seulement il fait des erreurs en fait, parce que tout mécanisme cognitif doit forcément faire des erreurs, il peut pas être parfait, c'est juste impossible, parce qu'on a pas des capacités de calcul qui sont limitées. L'idée d'un biais, c'est que non seulement il fait des erreurs, mais il fait des erreurs qui vont un petit peu toujours dans la même direction. Et ça, c'est pas trivial en fait. Donc l'existence d'erreurs comme ça qui sont un petit peu directionnelles, c'est pas trivial. Mais en effet, donc eux, ils ont il semble qu'ils en aient mis en évidence un certain nombre. Mais en effet, donc l'idée d'un biais, donc c'est maintenant, en fait, le concept de biais a vraiment pris le pas sur le concept d'heuristique. Mais à la base, le biais, c'était vraiment un tout petit truc qui était accroché aux heuristiques. Le truc principal, c'était vraiment de dire, regardez, non, le cerveau est très bien fait, il arrive à résoudre des problèmes complexes en utilisant des règles assez simples. Mais du coup, bon, des fois, en effet, il fait des petites erreurs assez rigolotes. Voilà. Bon, c'est vrai que nous, on a pris un peu cet angle-là de montrer aux gens que toutes les erreurs qu'on commet dans la vie de tous les jours peuvent être imputées souvent au fait qu'on a des tendances naturelles à penser d'une certaine manière et pas d'une autre manière. Donc on a pris cet angle-là. Et du coup, voilà, ça veut peut-être dire que le cerveau qui fonctionne plutôt bien, en fait, ne fait pas ce qu'on croit qu'il fait. Lorsqu'on pense qu'on prend une décision pour telle ou telle raison, en fait, ces raisons-là ne sont pas les vraies raisons pour lesquelles on prend la décision, mais on s'abuse soi-même. Et en fait, il y a d'autres explications à la décision qu'on a prise. Ça, c'est intéressant, mais du coup... la question qu'on se pose, c'est est-ce que le cerveau a un autre but que de produire des décisions et des actes que j'appelle rationnels pour le coup, mais voilà, est-ce qu'il sert à autre chose qu'à ça? Le cerveau, la raison pour laquelle le cerveau a évolué, ainsi que tous les autres trucs qui n'ont jamais évolué dans le monde, c'est en effet pour maximiser notre succès reproducteur. Donc le c'est ça sa fonction, quoi. Mais de manière très générale, donc ça, c'est du coup, c'est vrai, c'est la même chose, c'est la fonction du cœur, c'est la fonction des poumons, des pieds. Donc ça nous dit pas grand chose.
du coup, c'est la fonction du cerveau, plus particulièrement, c'est de guider le comportement, d'essayer d'avoir des comportements qui vont maximiser le succès producteur. Et ça, en effet, il le fait d'une myriade de façons différentes. Il le fait en nous faisant éviter les prédateurs, en nous faisant trouver à manger, en nous trouvant des amis, en trouvant des partenaires sexuels, en parlant, en communiquant, en évitant de se faire tromper, enfin... En collaborant, il le fait de mille et une manières différentes. Donc tout ça, donc c'est vraiment, il y a une espèce comme ça de pyramide, en fait, où on part d'une fonction très générale qui est maximiser le succès producteur. Ensuite, bon, bah, il faut... faire ça en ayant des comportements, donc en influençant le comportement. Puis ensuite, on a une espèce de hiérarchie comme ça, on définit de manière plus en plus précise à la fonction de mécanismes cognitifs qui, du coup, sont de plus en plus ponctuels. Ok. C'est ça qui est... Voilà, en fonction de l'échelle à laquelle on se place, un comportement qui pourra paraître irrationnel pour une décision un peu bizarre pourrait, en fait, maximiser la finalité. Mais donc c'est à nouveau, c'est là qu'il faut faire attention entre les plus voilà. Donc l'idée de la psychologie évolutionniste, c'est que les mécanismes dans notre tête auraient évolué pour maximiser le succès producteur. Après, ça veut pas dire qu'ils le font à chaque fois qu'ils marchent. C'est-à-dire que d'une part, ils peuvent avoir des ratés, d'autre part, ils font ça en moyenne. C'est-à-dire que c'est un mécanisme qui en moyenne tend, enfin, c'est un ensemble de mécanismes qui en moyenne tend à augmenter le succès producteur. Et surtout, en effet, dans le cas humain, un argument utilisé, c'est de dire qu'il y a une telle différence entre l'environnement dans lequel on se trouve maintenant et l'environnement dans lequel on a évolué. Donc en gros, enfin, surtout dans les gens, bon, pour la plupart des auditeurs, et donc les gens qui se trouvent dans des pays modernes, riches, etc., vivent dans un environnement qui est très très différent de celui dans lequel on a évolué, qui est donc des petits groupes qui allaient chasser sur la savane. On peut imaginer qu'il y a plein de choses dans notre tête qui soient plus... qui fonctionnent, qui ne maximisent plus, qui non seulement enfin, sont irrationnels, on peut les juger irrationnels si on veut, mais qui en tout cas ne maximisent plus le succès reproducteur maintenant. Oui. De la même manière que typiquement, par exemple, nos dos ne sont pas du tout faits pour rester assis toute la journée, et c'est pour ça qu'il y a plein de problèmes, il y a plein de personnes qui ont des problèmes de dos, c'est-à-dire le dos qu'on a maintenant ne maximise plus notre succès reproducteur. Il est assez mal foutu du coup, enfin c'est pas mal, hein, mais il n'est pas idéalement fait pour le style de vie qu'on a maintenant. Et a priori, ça paraît probable que ce soit la vraie aussi de certains mécanismes cognitifs. D'accord. Donc voilà. Donc on reparlera des mécanismes juste après par rapport à la théorie. Et le dernier point que j'aurais aimé qu'on évoque, on en a parlé un tout petit peu quand on a préparé l'émission, c'est le rôle des émotions. Mm-hmm. Alors c'est encore tout un domaine où il y a certainement des centaines d'équipes qui travaillent sur plein de choses. Alors je vais le naïf. Hein. A priori, les émotions mm-hmm. sont des choses qui ne sont pas du tout raisonnées ni rationnelles a priori. Dans le sens que j'en ai. Mmh. Donc c'est des comportements ou des décisions ou des réactions qui sont quasiment spontanées et qui sont quasiment intuitives, instinctives et qui a priori ne sont pas du tout calculées. On n'est pas en colère parce que on va calculer que parce qu'on est en colère, la personne, ça peut arriver, mais c'est tellement immédiat en général la colère qu'on n'a pas le temps de calculer que si je fais ça, si je montre ma colère, je vais produire chez l'autre telle réaction qui fera que à court, moyen ou long terme, ça va maximiser mes intérêts. Donc, quelle valeur on peut donner aux émotions dans le fonctionnement raisonné, raisonnable, rationnel du cerveau? Et quel rôle ça a pu jouer évolutivement dans l'apparition du raisonnement? Ou est-ce que c'est deux choses totalement séparées qui n'ont pas de lien? Je pense pas qu'il y ait des liens très forts, mais alors il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Donc, pour ce qui est des émotions, qui en effet c'est pas vraiment mon domaine d'expertise primaire, mais l'idée en gros c'est qu'il y a un petit peu deux facettes aux émotions. Il y a les émotions elles-mêmes qui sont du coup un ensemble de réactions physiologiques et cognitives. Qu'on a qui sont censés être adaptatifs, donc typiquement quand on fait face à un stimulus quand on l'impression qu'on a c'est qu'il nous fait peur, l'idée c'est que la fonction de ce qui se passe quand on voit un tel stimulus, comme je sais pas moi un ours en colère ou quelque chose comme ça, c'est de déclencher un ensemble de réactions qui vont être adaptatives, donc dont on oublie tout ce à quoi on pensait avant, on se concentre uniquement sur la chose qui nous fait peur. On prend une décision très rapide du style est-ce qu'il vaut mieux que j'arrête de bouger complètement, que je fuis, que je l'attaque.
Donc on a tout un, donc notre cerveau en fait se réoriente, enfin pas tout ça, mais une grande partie du cerveau se réoriente pour faire face à la situation qui se présente. Et donc ça c'est vraiment le versant un petit peu interne des émotions. Mais les émotions ont aussi un versant externe, qui est qu'elles ont pas toutes les émotions, mais chez les humains quasiment toutes les émotions sont exprimées par le biais de bah, typiquement par le biais d'expression faciale, mais aussi de gestes, d'une gestuelle, de position du corps. C'est-à-dire qu'il y a, des gens qui ont fait des expériences qui montrent que même juste en regardant la position du corps de quelqu'un, on peut plus ou moins dire quelles émotions la personne exprime. Et donc, la question qu'on peut se poser ensuite, c'est quelle est la fonction de ces signaux ? Et donc, la réponse va dépendre au cas par cas de chaque signal. Et, dans le cas de la peur, par exemple, on peut imaginer que la fonction du signal soit de communiquer aux gens qui sont proches de nous, donc on peut espérer que ce soit des alliés ou de la famille, enfin des gens dont on a intérêt qui s'en sortent bien aussi, de leur communiquer que là il y a quelque chose dont il faut avoir peur. Comme les chiens de prairie ou les gazelles qui lèvent la queue, etc. Il y a une émotion qui est communicative très vite. Et donc, oui, après dans ce cas-là, est-ce qu'on peut appeler ça une émotion ou pas ? Bon, c'est un peu compliqué, mais en effet, donc il y a des signaux d'alarme, donc est-ce que les signaux d'alarme des animaux sont comparables de leur nature aux émotions qu'on a chez l'homme ? Alors ça, je ne sais pas pour la peine. Donc dans leur fonction, on peut probablement en effet faire une analogie entre un signal d'alarme et la fonction, pas la fonction de la peur elle-même, mais la fonction du signal émotionnel de peur, le fait qu'on ait cette expression. En effet, elle n'est pas accompagnée d'un signal d'alarme, parce que dans plein de situations dans lesquelles il faut avoir peur, c'est bien de fermer sa gueule, et donc de pas... ce qui est d'ailleurs, c'est pour ça, donc, je ne veux pas partir là-dessus, mais ça a été pendant longtemps un puzzle, de savoir pourquoi est-ce qu'il y avait des signaux d'alarme, dans la mesure où il semble que l'individu qui l'émet met sa vie en danger pour bénéficier d'autres. Donc ça, c'était un grand débat, savoir à quoi ça servait. En fait, je voudrais revenir un petit peu sur le lien que tu avais fait justement entre les émotions, est-ce que c'est rationnel ou non. En disant, les émotions, c'est quelque chose qui est spontané, qui est intuitif, on réagit comme ça immédiatement. Mais en fait, c'est le cas de tout, en fait, quasiment. Donc, c'est le cas de l'immense majorité de la cognition, se fait comme ça. Elle se fait de manière instinctive, de manière spontanée. Et en fait, c'est le cas du raisonnement dans la grande, grande majorité de ses utilisations. Donc, par exemple, même si je prends un argument aussi qui est censé être aussi philosophiquement sophistiqué que je pense donc je suis, on a une réaction immédiate qui fait qu'on comprend immédiatement l'argument. On n'a pas besoin de réfléchir, c'est juste... En effet, il y a des gens qui ont écrit des volumes et des volumes pour essayer de savoir pourquoi cet argument était un bon argument, et d'ailleurs ils sont toujours pas d'accord sur pourquoi c'est un bon argument. Mais tout le monde à qui on... Enfin, a priori, tout le monde à qui on donne cet argument a une réaction qui est sur plein d'aspects aussi intuitive, aussi spontanée, aussi rapide, aussi effortless, comment dire, aussi comme ça, qui ne demande aucun effort facile, qu'une réaction émotionnelle ou qu'une réaction quand on reconnaît quelqu'un dans la rue. Donc c'est-à-dire le raisonnement est un mécanisme cognitif parmi d'autres. C'est-à-dire à la base, c'est juste un mécanisme qui nous donne des intuitions sur ce qui est une bonne raison ou ce qui n'est pas une bonne raison. Et donc il n'y a pas une espèce de ligne comme ça qui le diviserait des autres mécanismes. Et le problème de penser comme ça, en fait, c'est que souvent on se retrouve avec ce que les psychologues appellent un homonculus, c'est-à-dire qu'une représentation comme ça un petit peu naïve de l'esprit, c'est dire bon bah... Le théâtre cartésien. Ouais, ça fait le théâtre cartésien avec tous les trucs de Dennett, tout ça, où on aurait tout un ensemble de mécanismes cognitifs un petit peu de bas niveau, qui gèrent la motricité, qui gèrent le langage, qui gèrent la perception, et au milieu il y aurait un espèce de petit bonhomme, enfin on le représente pas vraiment comme ça, mais en fait la façon dont on y pense, en fait, c'est comme ça qu'on pourrait la représenter. Il y aurait un petit bonhomme au milieu de tout ça, qui prendrait tous ces inputs et qui émettrait tous ces outputs, et on se rend pas compte qu'en fait quand on fait ça, on a repoussé le problème. En fait, tout ce qu'on a fait, c'est tous les problèmes de comprendre comment l'esprit marche, on les a mis dans le petit bonhomme qui contrôle le reste. C'est lui qui réifie l'esprit. Voilà, en fait, c'est lui qui est rationnel, c'est lui qui est... En fait, non, c'est juste tout notre esprit est juste un ensemble de petits mécanismes cognitifs qui font chacun leur boulot, qui sont tous intuitifs, et dont des fois on peut se servir de manière plus, ce que maintenant les psychologues appellent souvent système 2 ou bien système analytique, donc plus... Donc on prend notre temps, on réfléchit, donc ça demande de l'effort. Mais ça, c'est vrai pas seulement du raisonnement, c'est vrai du raisonnement quand tu fais un sudoku, quand tu résous un problème de maths.
Mais c'est vrai aussi quand tu fais un Où est Charlie, ces jeux où tu as plein de gens qui se ressemblent et il faut trouver Charlie dedans. Là, tu utilises un mécanisme qui est le truc le plus intuitif que tu peux imaginer, qui est un mécanisme qui nous permet de reconnaître des visages. Et tu l'utilises d'une manière qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration. Et tu vois, c'est vraiment un sentiment qui est assez similaire à celui que tu peux avoir quand tu essayes de résoudre un problème de Sudoku, par exemple. Alors même que c'est des mécanismes cognitifs très différents que tu utilises dans les deux cas. On est en train de perdre Vlad, je décède. Il est malade. J'entends que. J'espère que. Je suis content de faire ça par Skype, disons. C'est très le rhume. Ça va du tout. Je suis désolé. Oui, je vais peut-être m'éclipser au bout d'un moment. Juste pour rebondir sur les notions qui m'intéressent, et je vais essayer de creuser ça dans l'avenir, c'est ce que tu disais sur le fait qu'on a des compréhensions quasiment immédiates de certaines choses, comme l'argument de Descartes, qui date d'avant Descartes, mais que Descartes a formalisé, je pense, dont je suis. En fait, ça nous paraît immédiat, mais en réalité, il y a tout un processus de filtrage, de codage et de compréhension auquel on n'a pas du tout accès. Oui, exactement, de la même manière que quand on voit quelque chose. Donc, de la même manière que quand on voit quelque chose, on n'a pas l'impression de l'immense travail cognitif qui est effectué par, je ne sais pas, un quart de notre cerveau, un peu moins dans le cas des humains, sûrement, mais une grande partie de notre cerveau. Qui fait que ça, qui est juste utilisé et qui est extrêmement incroyablement complexe, et que c'est une machinerie incroyablement sophistiquée. On s'en rend pas du tout compte. Alors on a Vlad qui est en bas. Vlad va s'occuper du chat. Il va prendre l'autre PC et s'occuper du chat. Voilà. Mais j'ai besoin des notes que j'ai. Pardon. Du coup, on va rester plus ou moins deux. Du coup, je me tourne. Avant d'en arriver vraiment à la théorie. Qui est le cœur du truc. Je me tourne vers Corby pour voir s'il y a des commentaires ou des remarques ou des questions ou des mots drôles. Apparemment, Vlad est malade, c'est la faute à Nota, mais c'est tout. Oui, parce qu'en fait, nous étions il y a une semaine à Montbazon, donc dans la forteresse de Montbazon pour une soirée abonnée avec Nota Bene qui l'a organisée à merveille. Merci beaucoup, Ben, si tu regardes. Et Vlad et moi, nous avons eu la chance de pouvoir faire une petite conférence vite fait. Dans le donjon en nocturne, il était 2h du matin, il faisait froid. Vlad, il a attrapé la mort. Je pense que le chat n'y est pas pour rien non plus. Vous savez que le froid, c'est marrant, ça a été établi il n'y a pas très longtemps en fait. Ouais. C'est étonnant que le froid, c'est ce que toutes les grand-mères ont toujours cru, mais que le froid en effet augmente les chances d'attraper un rhume. C'est pas le froid lui-même, c'est le fait qu'on est dans une. Non, en fait, le froid joue aussi. Le froid joue aussi en fait, donc il a plusieurs effets qui à la fois diminuent un petit peu l'efficacité du système immunitaire et rendent le nez en particulier. Donc on a plus de chances d'attraper un rhume juste s'il fait froid, même si on contrôle l'exposition au virus. Voilà. Je suis content parce que Vlad n'est pas là, il me tient mordicus ce que tu viens de dire, et moi je lui disais justement que le froid a priori n'est pas directement responsable, que si on attrape plus froid... Il n'est pas directement responsable, c'est sûr que s'il n'y a pas de virus, tu ne vas pas attraper un rhume. C'est bel et bien pour ça que j'ai dit que c'était plus probable que ce soit la faute des chats. Non, mais j'en ai conscience. Il vient de dire que justement le froid, en fait, c'est prouvé maintenant, a des effets. Il faut qu'il y ait des virus, tu ne vas pas devenir malade s'il n'y a pas un pathogène. Mais sinon, si on veut faire le froid, augmente les chances, donc couvrez-vous les enfants. Le message est important. Voilà. Donc du coup, j'en arrive. On arrive à la question principale, vraiment là où ta compétence est maximale. Ceux qui nous regardent doivent connaître plus ou moins l'existence des biais cognitifs, il y en a de différentes formes, et notamment les biais de confirmation. Alors, malheureusement, le calendrier est cruel. L'émission qui en parle, c'est celle qui sortira bientôt. Elle n'est pas sortie, on est en retard. Donc elle sortira à la rentrée. Donc vous verrez bien les biais de confirmation. Mais du coup, c'est une famille de biais qui est très courante, et Hugo peut nous en parler. Et justement, la théorie argumentative du raisonnement est la théorie qu'il a rédigée avec Dan Ferber. Ça date de 2011 ou avant ? La théorie, en fait, lui, je ne sais pas exactement quand il a eu l'idée, en fait, mais la première fois qu'il a publié quelque chose qui allait dans cette direction, c'était au début des années 2000, où il a suggéré que le raisonnement avait cette fonction sociale et argumentative en particulier. D'accord. Après, on a publié quelques papiers entre les deux, mais en effet, le papier principal qui est décrit ça, c'est en 2011. Donc, du coup, je vais te donner la parole. Voilà. Mais jusqu'à présent, on avait une certaine vision sur la manière dont le raisonnement s'était installé dans la ligne humaine et avait apporté des désavantages qui avaient fait qui s'étaient maintenus. Et on n'arrivait pas à expliquer pourquoi on avait autant de biais, enfin, même si certains s'expliquent, notamment par rapport au système d'alarme. Il y a des biais, on reconnaît des choses. Des faux dangers alors qu'il n'y en a pas, et c'est ça, on comprend. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'on a un système de croyance, on a tendance à ne pas voir les arguments qui nous donnent tort
et ne voir que ceux qui me donnent raison, a priori, ça serait revenir vers ce qu'on disait tout à l'heure, ça serait plutôt irrationnel, dans le sens où ça me donne tort. Et avoir tort, c'est jamais utile pour un organe qui est censé me donner raison sur le monde. Et donc est arrivée la théorie de Dan Slamber et de Hugo Mercier, en 2011, qui fait que c'est quand même, enfin, ça a dépoussiéré un peu les choses, et donc je te laisse nous expliquer pourquoi c'est nouveau, intéressant, et à quoi ça répond. Alors, donc le... Donc pour replacer un petit peu la théorie, je pense que c'est bien d'avoir un petit peu à l'esprit l'état un petit peu du champ donc des gens et qui des gens à qui on s'oppose. Et il y a une espèce de vision du raisonnement qui est dominante en psychologie, en philosophie, mais aussi je pense chez la plupart des gens en fait de manière assez intuitive, qui est de se dire que quand on raisonne, donc quand on comme ça, quand on pondère les raisons pour ou contre une décision, quand on essaye de voir si on a de bonnes raisons de voter pour quelqu'un, si on a de bonnes raisons d'acheter une voiture donnée. Si on fait ça, c'est pour prendre de meilleures décisions ou pour arriver à des croyances plus justifiées sur le monde. Et en fait, nous on pense que c'est faux. C'est pas que le raisonnement ne parvient pas forcément à faire ça, c'est qu'il est pas fait pour faire ça tout seul. C'est-à-dire que le raisonnement en effet doit nous permettre en effet de prendre de meilleures décisions et d'avoir de meilleures croyances, parce que sinon il n'aurait pas évolué. Mais il nous permet de faire ça en discutant avec d'autres. Pas tout seul, mais en argumentant, donc soit à deux ou à plusieurs, en échangeant des arguments. L'idée c'est que l'échange d'arguments, l'échange de raisons, serait l'environnement naturel un petit peu du raisonnement. Ce serait la façon la plus la naturelle, donc la façon. Donc ce serait le. La raison pour laquelle le raisonnement aurait évolué. Et donc du coup, on a deux hypothèses évolutionnistes. On a une hypothèse qu'on peut appeler classique ou individualiste, qui est que le raisonnement aurait évolué pour servir cette fonction individuelle de, comme ça, quand on est tout seul, on réfléchit, on arrive à de meilleures croyances ou à de meilleures décisions. Et d'un autre côté, une hypothèse plus sociale, où la fonction du raisonnement serait d'argumenter avec les autres, de leur donner des arguments pour les convaincre, et nous d'évaluer les arguments que les autres nous donnent. Et donc du coup, quand on a deux hypothèses comme ça, évolutionnistes, la meilleure façon de les tester, c'est simplement d'essayer de faire des prédictions tirées de chacune de ces deux théories sur comment le raisonnement fonctionne, et de voir si ces prédictions sont vraies ou pas. Et alors, une prédiction qu'on peut faire de manière assez évidente d'une théorie individualiste du raisonnement, c'est que si on voulait que le raisonnement comme ça, quand on raisonne seul, nous aide à prendre de meilleures décisions ou à parvenir à de meilleures croyances, il devrait être assez objectif, c'est-à-dire qu'il devrait considérer les raisons pour lesquelles on pourrait avoir raison, les raisons pour lesquelles on pourrait avoir tort, et il devrait être assez exigeant, c'est-à-dire qu'il devrait faire attention à ce qu'on ait une bonne raison, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas se contenter comme ça de n'importe quelle raison à moitié réfléchie à laquelle on a pu penser. Alors que le raisonnement, il se trouve, ne fait pas du tout ça. Donc là, il y a vraiment des centaines et des centaines de données à la fois expérimentales, mais aussi dans la vie de tous les jours, dans l'histoire, dans la sociologie. Dans le domaine de la zététique, on est face à beaucoup de gens visiblement qui font des efforts, qui veulent la vérité, qui sont pas du tout pas fous quoi. On a des gens qui manifestement ont un problème parce que ils n'arrivent pas à arriver à des conclusions qui nous semblent justes parce que nous on a vérifié. Enfin voilà. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Il y a des choses dont on sait que c'est vrai, et il y a des gens qui refusent ces choses alors qu'on a les preuves. Et du coup, il y a un tri qui se fait de leur côté entre les informations qui vont dans leur sens et celles qui vont dans le sens opposé. Alors justement, ça, j'y reviendrai, mais c'est souvent un peu plus compliqué que ça. Mais, parce qu'en fait, j'y reviendrai. Un des biais justement qui semble contrevenir le plus à cette vision classique individualiste du raisonnement, c'est ce qu'on les gens ont appelé le biais de confirmation, ou ce qu'en fait on devrait plutôt appeler le biais vers son côté, ou le my side bias en anglais. Et l'idée de ce biais, c'est que quand on réfléchit à quelque chose, spontanément, on va surtout, vraiment dans une très très grande majorité, trouver des arguments qui soutiennent notre intuition initiale, qui supportent notre intuition initiale. Et ça c'est un problème parce que du coup en effet on a du mal à nous remettre en cause, on a du mal au contraire, donc le raisonnement parfois quand on raisonne seul en fait on se retrouve non seulement on n'a pas changé d'avis s'il fallait qu'on change d'avis, mais on est encore plus sûr de nous qu'on ait raison ou qu'on ait tort,
où on développe des attitudes plus extrêmes que ce qu'on avait au début. Donc ça, il semble que ça colle pas très bien avec la vision individualiste. Et nous, donc, la façon qu'on a d'expliquer ce biais, c'est de dire que dans un contexte argumentatif, le fait de trouver les arguments pour notre côté, eh ben, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que, bien sûr, si on veut convaincre quelqu'un, on n'a pas intérêt à trouver des arguments pour son côté ou contre notre côté. Il faut qu'on trouve des arguments pour nous et contre lui. Et donc, dans ce cas-là, en fait, quand on est en train d'argumenter, en effet, ça fait sens, ça fait immédiatement, évidemment, sens d'avoir un biais de confirmation, d'avoir un biais vers son côté. Et donc, on pense que l'existence de ce biais qui est consensuel est vraiment un très bon argument pour dire que le raisonnement est plutôt une fonction sociale plutôt qu'une fonction individuelle. Alors là, pour revenir un petit peu à la question que tu posais tout à l'heure, autant une prédiction de la théorie, c'est que on devrait produire des arguments de façon biaisée, autant une autre prédiction, c'est que si on veut que l'argumentation soit quand même un peu utile, il faut que les gens soient capables d'accepter les bons arguments de l'autre. Et que quand quelqu'un nous donne des arguments qui sont assez bons, il faut qu'on puisse les reconnaître et échanger d'avis de manière appropriée. Sinon, ça ne servira à rien. Sinon, ça n'aurait pas pu évoluer parce que les gens ne changeraient jamais d'avis. On arrêterait de donner des arguments et puis le truc ça s'arrêterait. Mais après, encore une fois, les personnes dont je parle, c'est des exceptions. Donc on peut imaginer que... C'est, non seulement, c'est des, je pense pas que c'est des exceptions en termes de personnes, en fait. Donc c'est non seulement... c'est des domaines, en fait. C'est-à-dire que si vous voulez vous décider sur dans quel resto il faut aller ce soir et que vous disiez à cette personne... le resto où tu veux aller, il est fermé. Je suis sûr que la personne va comprendre que le fait d'être fermé, c'est un bon argument pour ne pas aller à ce soir-là. C'est des gens qui savent raisonner totalement de manière parfaitement correcte et qui peuvent même être des scientifiques, donc qui n'ont pas de problème, je veux dire, biologique. Leur cerveau fonctionne bien, mais c'est vrai qu'il y a certains domaines dans lesquels il y a des croyances qu'ils refusent de remettre en cause. Après, oui, mais alors du coup, c'est ça. C'est un petit peu dur, donc c'est. Je pense que ce qui est, en tout cas, quand on prend un peu un chapeau de psychologue, enfin de quelqu'un qui veut essayer de décrire comment les choses fonctionnent et pas direct, enfin, c'est important d'oublier un petit peu ce qu'est la vérité, en fait. Donc un meilleur critère que de dire, cette personne a des croyances qui sont fausses, donc du coup elle est irrationnelle, ou elle refuse d'accepter quelque chose qui nous semble à nous être une vérité évidente, où on a vraiment des bonnes preuves. C'est un petit peu de voir de son côté d'où elle vient. Et peut-être que cette personne a des centaines de raisons de continuer à croire ce qu'elle croit, qui peuvent être dans certains cas de bonnes raisons, qui peuvent être de mauvaises raisons. Mais tant qu'on n'a pas eu un débat où toutes ces raisons ont pu s'exprimer, on peut pas vraiment dire que la personne a tort nécessairement de refuser l'argument, dans le sens où, donc c'est pas parce qu'elle refuse d'accepter un argument qui à nous semble être un argument suffisant, qu'elle n'en a pas d'autres qu'elle n'a pas pu exprimer, ou bien qu'elle n'a pas envie d'exprimer, etc. Donc c'est à nous, pour revenir au débat du début, c'est dur de dire que quelqu'un est rationnel ou irrationnel. C'est vrai, mais d'ailleurs, c'est un truc sur lequel on va revenir, c'est ce qu'on appelle l'entretien épistémique, qui est extrêmement important lorsqu'on est face à quelqu'un qui a des croyances extrêmement fortes dans certains domaines. Hein. C'est des gens qui sont parfaitement rationnels, pour prendre le mot, de la vie de tous les jours, mais qui, sur certains domaines, sont recroquevillés sur des croyances vraiment dures. Ça sert à rien de leur dire qu'ils ont tort. Il faut les aider à exprimer pourquoi ils croient ce qu'ils croient. Et bien souvent, ils ont des raisons, enfin, ils ont des motifs, ils ont plein de motifs, comme tu dis. Et voilà, et c'est important de ne pas confondre nos raisons avec les leurs. Oui, tout à fait. Et puis d'essayer, en fait, de bien essayer de comprendre les raisons, de dire que c'est. Et malheureusement, on n'est pas toujours charitable quand on fait face à quelqu'un qui est en désaccord avec nous. On a tendance à. Donc, notre interprétation, la première, c'est juste, il est bête. Et puis ensuite, il devient méchant. Enfin, pas méchant, mais. C'est suspect, quoi. Il fait exprès, il est obtus. Donc, on est assez facilement pas charitable. Sur les autres, Oui, bien sûr. Et puis, en effet, c'est pas. Mais ça aussi, on peut imaginer que ce soit un petit peu. On parlait de ça au début, cette différence entre le monde actuel et puis l'environnement dans lequel on a évolué. On peut imaginer que dans l'environnement dans lequel on a évolué, les différences de croyances entre les gens étaient relativement réduites, en fait, parce que c'était des petites communautés, la culture était bien entendu réduite en termes juste purement quantitatifs que la culture moderne, parce que ils étaient beaucoup moins nombreux, donc par la force des choses. Donc on pouvait pas se retrouver avec des situations où là, en effet, on a un catholique, un protestant, un musulman, un athée,
d'avoir des gens comme ça qu'on grandit dans des cultures qui ont vraiment très très peu à voir les unes avec les autres, c'est des situations qui n'existaient pas, donc c'est possible que notre esprit soit peut-être pas complètement équipé pour faire face comme ça à des distances, à des différences qui sont telles que ça nous paraît complètement implausible que quelqu'un puisse avoir des croyances qui sont aussi différentes que les nôtres, aussi différentes des nôtres, tout en étant quelqu'un de rationnel, de gentil, etc. Bien sûr. Et donc du coup, voilà, donc enfin, pour revenir un peu sur la théorie et sur son intérêt, voilà, le raisonnement tout seul, enfin, et c'est amusant parce que ça revient un peu sur ce qu'on fait en science. En science, c'est toujours un dialogue. On n'a jamais quelqu'un dans son coin qui a un eureka, qui sort de nulle part. Ça peut arriver qu'on ait des génies, mais en général, les génies produisent des autres avant. Oui, c'est ça. Bah, bien sûr, de toute façon, c'est sûr qu'il y a un aspect cumulatif. En fait, ça, c'est indéniable que les gens, ils inventent pas tout seuls. Mais même, en fait, donc les discussions jouent un rôle crucial dans quasiment tous les cas. En fait, c'est possible qu'il y ait quelques exceptions, c'est-à-dire que typiquement, il y a enfin, même dans les contre-exemples courants, il y a Einstein dans son bureau des brevets à Berne. Mais en fait, même là, en fait, il a vraiment bénéficié de discussions avec des collègues, en particulier avec des mathématiciens. L'autre exemple le plus connu, ça va être Newton dans son année miraculeuse, quand il a eu une bonne partie de ses idées les plus importantes, où en effet, à cause de la peste ou du grand feu de Londres, je sais plus, il était isolé dans la campagne, et en effet, là, il était quasiment tout seul, mais d'une part, en effet, ça, toute sa pensée a été informée par les discussions, enfin, par les textes qu'il a pu lire précédemment, et ensuite, en fait, on peut même voir que par la suite, toute la formation, la façon dont il va exprimer ses idées, la façon dont elles vont être affinées, va être extrêmement dépendante du contexte scientifique. C'est-à-dire que s'il s'emmerde autant à créer quelque chose comme les Principia Mathematica, où tu as vraiment un ensemble de raisonnements extrêmement beau, en fait, vraiment extrêmement. Enfin, c'est mathématique, du coup, c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est parce qu'il sait qu'il va y avoir toute la Royal Society qui va regarder ça et qui va être extrêmement critique. Quand le même génie travaille dans d'autres domaines, comme typiquement l'alchimie, bah, il est beaucoup 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 moins rigoureux, parce que l'alchimie c'était quelque chose d'à l'époque extrêmement privé, que dont l'objectif c'était vraiment de soit un truc un petit peu mythique, soit vraiment pratique de trouver de l'or. Et là, les gens partageaient pas leurs notes. Quand Newton, enfin, il a écrit énormément sur l'alchimie et tout ça, il voulait pas le publier. C'était vraiment juste pour lui. C'était des notes de travail. Et là, on voit bien qu'il y a une qualité de raisonnement qui est infiniment inférieure à celle qu'il y a dans ses ouvrages publiés en mathématiques et en physique. Et du coup, ça c'est amusant parce que ça n'a peut-être rien à voir, ou peut-être au contraire que c'est extrêmement édifiant, le fait que la science fonctionne sur un mode dialectique, c'est-à-dire que les gens viennent avec leurs idées et les mettent au contact de la communauté et on a des retours incessants, est-ce que le fait que ça marche bien et que la science ait fait des preuves que c'est la meilleure manière de produire de la connaissance, est-ce que ça conforte la théorie argumentative ? Ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Non, complètement. En fait, je suis de l'annonce. Ça nous aurait pas arrangé vis-à-vis de notre théorie si la science avait fonctionné surtout d'une manière, en effet, avec des espèces de grands génies comme ça qui découvraient tout seul. Mm-hmm. Ça aurait été bizarre, en fait. Parce que ça aurait suggéré que les scientifiques sont quasiment une espèce à part, qu'ils sont pas sujets au biais de confirmation. Qu'ils n'ont pas besoin comme ça de la discussion pour affiner leurs arguments, ce serait en effet, ça aurait été étrange. Bon, ça aurait été embêtant, mais bon, heureusement, c'est pas du tout le cas en effet. Voilà, pardon, mais du coup, j'avais pas réfléchi à ça avant l'émission, le fait que, en effet, la méthode scientifique est un peu le reflet de ce que tu nous dis sur la manière dont le raisonnement s'est imposé au fur et à mesure des générations. Du coup, j'aimerais quand même évoquer un petit truc qui moi, la manière dont moi j'avais compris la théorie, on en a parlé un peu, au final, mm-hmm. Tu n'es pas tellement d'accord avec moi, et je comprends mieux pourquoi tu défendais ta position, parce que tu viens un peu de temps, je suis un peu lent comme garçon, c'est que j'ai cru comprendre, donc j'ai expliqué aux gens un truc, c'est que l'unité évolutive dans le vivant, c'est l'individu, parce que c'est lui qui survit ou qui ne survit pas. Mais malgré tout, il y a quand même pas mal de situations, notamment chez les insectes sociaux, etc., où le groupe, en général, qui est un groupe apparenté, une parenté, une famille, où là, c'est le groupe entier qui va survivre ou qui va périr. Donc du coup, il y a une sélection qui va être soit sanctionner les individus, soit sanctionner les individus et les colonies, les familles, etc. Et du coup, le raisonnement
dans sa dimension argumentative, me donnait l'impression qu'on pouvait conclure qu'il y avait une dimension de sélection de groupe, à savoir que le groupe qui va avoir le meilleur taux de survie, c'est celui dans lequel les gens pourront argumenter entre eux, de manière à ce que le groupe accède à une meilleure connaissance du monde. Et que comme on a une structure très sociale, ça ne serait pas étonnant. Il n'y a pas de preuve contre, de mon point de vue pour l'instant. Après, tu vas défendre le point de vue opposé, donc je vais être un peu excessif de mon point de vue. Il n'y a pas de raison de penser que le groupe ne puisse pas être l'unité qui sera sélectionnée. J'exagère, je crois. L'idée qui pourrait être sélectionnée, et voilà, que le raisonnement est quelque chose qui est sélectionné à l'échelle du groupe, et que les groupes qui ne sont pas capables d'argumenter, eux, ne sont pas sélectionnés. Mais tu m'as convaincu du contraire, et donc je te laisse répondre à ça parce que. Merci. Non, en effet, t'es vraiment pas le seul, loin de là, à avoir eu cette interprétation de notre théorie, dans le sens où, en effet, souvent on contraste les mauvais résultats, les mauvaises performances que peut avoir le raisonnement seul, aux bonnes performances et aux bons résultats qu'il peut avoir quand les gens raisonnent à plusieurs. Mais en effet, l'idée, c'est que notre théorie à nous, en tout cas, c'est de dire que non, les bénéfices sont vraiment individuels. C'est-à-dire que les bénéfices qu'on a par le biais de l'argumentation, ils sont doubles. Ils sont d'une part, on peut convaincre les autres, c'est-à-dire qu'on peut arriver, grâce à l'argumentation, à faire accepter des choses qu'on n'aurait jamais pu faire accepter sinon. Donc typiquement, par exemple, toute la science n'aurait jamais pu, même si on peut imaginer, comme ça on a une espèce de génie qui découvre la théorie de la relativité ou je sais pas quoi, tout seul, s'il ne pouvait pas donner des arguments pour sa théorie, il ne pourrait jamais convaincre les autres. C'est-à-dire que c'est des théories qui sont, enfin toutes les théories scientifiques sont tellement contre-intuitives que si on n'avait pas l'argumentation pour aider à les propager, elles n'auraient aucune chance. Jamais ouais. Personne ne croirait ça. Justement, là, pardon, mais là, c'est l'argument justement qui va en faveur de ce que je faisais semblant de défendre. C'est-à-dire que puisque l'argument permet à l'individu de convaincre les autres, cela permet de le convaincre d'une réalité, d'une vérité, on va dire, pour aller vite. Du coup, ça donne un avantage au groupe qui a accès à cette vérité. L'avantage du groupe, il dérive de manière secondaire. C'est-à-dire que. Oui. C'est forcé que si, au sein d'un groupe, les individus bénéficient, le groupe bénéficie nécessairement. Voilà, c'est ça. Mais c'est complètement accessoire. C'est un by-product. Voilà, c'est exactement. C'est un effet d'artefact mathématique qui fait que forcément, quand au sein d'un groupe, les individus bénéficient, le groupe bénéficie. Mais disons que cet argument-là permet de dire qu'il y a peut-être, quelque part, une composante, même si elle est minime, une composante de sélection de groupe. C'est ça que je voulais dire. Non, non, parce que du coup, donc j'ai jamais vraiment réfléchi assez, mais si on voulait faire une histoire du raisonnement qui dépendrait de la sélection de groupe, à mon avis, cette théorie ferait des prédictions différentes sur comment le raisonnement fonctionne. C'est-à-dire que si c'était par exemple, on ne sait pas clair. Donc, en fait, y a même une espèce d'incongruence plus importante dans le sens où s'il y avait vraiment. Donc, ce que prédit la sélection de groupe, c'est que les intérêts des membres d'un groupe convergent le plus possible. Et plus ils convergent, plus la sélection de groupe peut être potentiellement forte. En fait, le truc, c'est que plus ils convergent, moins on a besoin du raisonnement. C'est-à-dire que si, par exemple, typiquement, entre toi, tu prends Attends, on va revenir un tout petit peu en arrière. Donc, dans notre théorie, si on a besoin d'argumenter, c'est parce qu'on ne se croit pas. C'est-à-dire que, typiquement, tu vois quelqu'un, bon, déjà, le premier truc que tu fais quand quelqu'un te dit quelque chose, c'est regarder si c'est compatible avec ce que tu crois ou pas. Et si ce n'est pas compatible, tu vas avoir tendance à le rejeter. Ensuite, un premier mécanisme qui nous permet de surmonter ça, c'est la confiance. Donc, si tu veux, lui, c'est vraiment un super pote, ça fait très longtemps que je le connais, j'ai aucune raison de penser qu'il va me planter un couteau dans le dos. Plus, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est très compétent dans le domaine dont il me parle. Du coup, tu peux commencer à accepter des choses que tu n'aurais pas acceptées sinon. Mais même il y a des cas dans lesquels on a quelqu'un à qui on fait confiance, mais on ne lui fait pas confiance assez pour accepter quelque chose qui nous paraît vraiment trop contre-intuitif. Ou à l'inverse, on a quelqu'un à qui on ne fait pas confiance. Mais dans ces cas-là, mais peut-être que des fois, la personne a la raison. Et nous, on a tort. Et si la personne ne peut pas nous donner des arguments, on ne peut pas savoir. L'idée de l'argumentation, c'est vraiment, quand la confiance ne suffit pas à transmettre un message, l'argumentation peut prendre le relais. Et donc, par exemple, en effet, je suis en train de faire des maths, il y a quelqu'un que je sais qui est un escroc fini, j'ai aucune raison de lui faire confiance, mais s'il me donne une preuve mathématique que je comprends, je l'accepte, parce qu'il m'a donné de bons arguments, et maintenant, j'ai plus qu'à les accepter. Et donc, l'idée, c'est vraiment que
Parce qu'on a ces problèmes de confiance, parce qu'on ne se fait pas toujours confiance les uns aux autres, et enfin, pour de bonnes raisons souvent, on a besoin de l'argumentation pour surmonter ça. Et justement, s'il y avait un phénomène de sélection de groupe, on aurait les mêmes intérêts, on aurait tous intérêt à ce que les gens dans le groupe ils se débrouillent bien, et du coup on n'aurait pas ces problèmes de confiance. On n'aurait pas dit, quand moi je te dis, ah bah regarde la théorie de la relativité, c'est vrai, en ce moment le temps et l'espace sont liés, si tu vas en haut de l'Everest, le temps, enfin, toutes des choses comme ça, ou bien alors les continents bougent, t'es fait quasiment de vide, toutes ces choses qui sont extrêmement contre-intuitives, si c'était vraiment de la sélection de groupe au sens très 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 fort, tu me croirais. Attends, moi j'aurais aucune raison de te mentir, et toi du coup t'aurais aucune raison de douter ce que je te dis, et donc du coup, le raisonnement aurait pas de raison d'être. Donc en fait, non, c'est vraiment les deux théories, vrai, vraiment des prédictions opposées. C'est-à-dire que la théorie de la sélection de groupe prédit qu'il ne devrait pas y avoir tous ces mécanismes qui nous permettent d'évaluer à quel point quelqu'un est fiable ou pas, dont font partie le raisonnement. Alors que du coup, là, au contraire, la sélection individuelle dit, bon bah non, on va avoir tous ces mécanismes qui nous permettent de savoir qui a raison et qui a tort et d'essayer de convaincre les autres. D'accord, je pense juste que tu fais une caricature un peu du côté opposé. Ce que tu dis, ça marche. En effet, s'il n'y a qu'une dimension du groupe. Et c'est pas ce que je dis. J'ai pas lu la littérature, mais je pense pas que les gens défendent qu'il y aurait que une échelle de groupe. Non, mais même s'il n'y a pas que, ce que je me souviens, c'est que plus il y a du groupe, moins tu as besoin de raisonnement. Donc c'est vraiment, il fait des prédictions inverses. En fait, mais c'est vraiment contre-intuitif. Je suis d'accord avec toi, tu vois, même là, j'y avais jamais réfléchi avant. Mais plus il y aura de sélection de groupe, moins il devrait y avoir de raisonnement au sens où on l'entend nous. C'est des choses auxquelles je compte réfléchir dans l'avenir, mais c'est super intéressant parce que, en effet, moi j'avais tendance à avoir un peu trop interprété la théorie quand j'ai lu. Mais à nouveau, j'étais vraiment, c'est probablement notre faute parce que t'es pas le seul à avoir interprété comme ça, donc on aurait dû être plus clair. Ouais. Bah, en tout cas, c'était pas clairement. Enfin, les avantages à l'échelle individuelle ne m'étaient pas apparus aussi clairement que lorsqu'on en a reparlé. Du coup, c'est. En effet, l'hypothèse de la sélection de groupe, elle me semble pas totalement réfutée, mais elle me semble être mise en. Enfin, il me semble qu'elle est devenue coûteuse. Dans le cas du raisonnement, je pense que ce que je veux dire, c'est que ça a fait la prédiction inverse à ce qu'on montre nous. Après, de manière plus générale, en effet, moi je ne crois pas que ce soit un phénomène qui ait vraiment eu une grosse influence dans le cas de l'évolution humaine, mais il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord et peut-être qu'ils ont raison. Mais dans le cas du raisonnement, il me semble vraiment que là, l'argument il va dans le mauvais sens. Quoi. Et après, moi l'argument qui associé fort, qui me semble intéressant à ton point de vue, c'est ce qu'on disait sur le fait qu'il n'y a pas de population humaine qui a été isolée vraiment des autres très longtemps. Ah oui, bien sûr, qui a permis qu'il y ait un shift génétique pour encoder la manière de raisonner à l'échelle du groupe et qui aurait pu sélectionner un groupe par rapport à l'autre. Vu qu'il y a toujours un flux entre les populations qui fait que c'est pas. Alors après, cela dit, je suis pas vraiment complètement au point, donc j'ai pas suivi les derniers développements, mais il me semble que c'est un argument qui est tellement évident que dans la mesure où les théories de la sélection de groupe continuent à survivre, j'imagine qu'ils ont un contre-argument pour ça, parce que sinon, ce serait peu plausible quand même. Donc, je voudrais pas me reposer là-dessus comme l'argument principal, parce que, à mon avis, associer ce que tu as dit, moi, je suis pas du tout anthropologue et je n'ai pas vraiment la notion de savoir à quel point les nids sont isolés. C'est évident qu'il y a des flux. Ah bah oui, c'est conscient. C'est à quel point c'est isolé ou pas, ça, c'est un peu. Bah, c'est pas isolé du tout. Enfin, dans le sens où, en effet, donc il me semble dans quasiment tous les groupes humains ancestraux ou dans les sociétés traditionnelles modernes, dans les sociétés traditionnelles contemporaines, t'as soit tous les hommes ou toutes les femmes qui partent. Oui, qui quittent pour éviter l'inceste. Pour éviter la consanguinité. Ouais. Donc, c'est dur d'avoir beaucoup plus de flux que ça, quoi. En effet, on se retrouve, en effet, on en avait discuté l'autre jour, avec des groupes où, en effet, t'as plus de chances d'avoir un cousin si le gars est dans ton groupe que s'il est à l'autre bout de l'Afrique. Mais bon, ça reste. C'est un milieu visqueux, on va dire. Les populations humaines sont un milieu visqueux dans lequel il y a. Toujours un flux. Mais ça, c'est pareil, ça. Tout ce qui est théorie d'évolution, c'est des choses dont je pense qu'on parlera dans l'émission tout au tard, parce que c'est intéressant de voir d'où on vient et surtout comment on raisonne sur l'évolution. Parce que c'est beaucoup de choses contre-intuitives qui sont passionnantes. Et je ne pense pas qu'on va aller beaucoup plus loin ce soir parce qu'il y a peut-être des gens que ça va un peu saouler parce qu'on rentre dans des questions qui. Il n'y a pas de consensus. Donc ça ne sert pas à grand-chose de vulgariser quelque chose qui n'a pas de consensus.
Bah non, coup... ça peut être intéressant de vulgariser le débat, en fait. Mais bon, oui. Si je trouve que moi, je le connais pas assez bien, mais ça peut être intéressant de vulgariser le débat. Du coup, moi, j'aimerais te poser maintenant une question perfide, mais je t'avais prévenu. à savoir que, voilà, donc, cette théorie-là, bon, moi, je trouve qu'elle est très convaincante, elle est nouvelle, et c'est la première, à mon sens, qui explique pourquoi on a ces biais de confirmation qui sont, a priori, des biais importants du raisonnement, et qui, normalement, ne devraient pas avoir été sélectionnés par l'évolution. L'évolution devrait éliminer les défauts, et là, on a un défaut qui est très important. C'est non seulement c'est un défaut dans le sens où, en effet, donc le fait que les organismes fassent des erreurs, bon, bah, c'est inévitable, on a une capacité de calcul limitée, mais dans le cas du biais de confirmation, ce qui est choquant, c'est que il semble que c'est quelque chose qui est extrêmement consistant dans le cas du raisonnement, donc voilà. Là, il n'y a que le raisonnement qui a un biais de confirmation, qui est extrêmement robuste, donc ça ressemble vraiment plus à quelque chose qui est fait exprès, quoi. Donc c'est ça qui est bizarre, en fait, c'est qu'on n'a pas, on voit pas de raison. Donc la plupart des biais, tu vois, tu parlais des biais, par exemple, on a probablement un biais à penser qu'une nourriture est toxique plutôt que comestible, parce que vaut mieux penser qu'une nourriture qui en fait est comestible est toxique, plutôt que de penser qu'une nourriture qui en fait est toxique est comestible. On veut faire un faux positif qu'un faux négatif, parce que le négatif est très goûteux. On meurt ou on est très malade, alors que dans l'autre cas, bon bah voilà, on mange pas le champignon qu'on aurait pu manger, mais c'est pas la fin du monde. Donc là, on voit facilement pourquoi est-ce que ce biais, si on peut même appeler ça dans ce cas-là, a une raison d'être. Et dans le cas du raisonnement, on voit pas du tout quel serait le mécanisme dont le biais de confirmation. Donc en effet, à part notre théorie, je pense, on voit pas pourquoi. Donc là, on a la théorie classique individualiste du raisonnement. On voit pas du tout pourquoi il y aurait ça. Et on ne sait pas dans tout ce problème de truc heuristique et bien, quel serait l'heuristique dont le biais de confirmation serait le biais. Enfin, ça fait aucun sens. Donc ça, pour dire aux gens qui nous écoutent que voilà, enfin. Dans ce domaine de compétences-là, on a des gens qui sont français ou belges ou suisses, je ne sais pas, d'où est Dan Ferber. Il est français. Donc, Cocorico, on a une théorie récente qui apporte quelque chose de relativement frais et qui explique quelque chose qui était présent et que tout le monde voyait, mais qu'on ne savait pas trop comment expliquer. Ça fait partie de ces choses en fait, où on sent qu'il y a une espèce de... Donc il y a un gros rôle de la psychologie naïve sur la psychologie, c'est-à-dire qu'on a comme le biais de confirmation, en fait, quand t'expliques ça aux gens, ça les surprend pas vraiment. Dans le sens où quand tu dis ça aux gens, bah oui, bah en effet, donc les gens ils croient pas qu'eux en ont, hein, bien sûr, mais on se rend vite compte que les autres en ont. Ouais. Et du coup, quand on part du principe que c'est pas très surprenant, ça nous paraît assez naturel. Donc les gens sont jamais vraiment trop. Enfin, il y a quelques explications qui ont été suggérées, mais qui ont vraiment. C'est toujours en termes de l'esprit aurait une espèce de tendance un petit peu mystérieuse à confirmer plutôt qu'à falsifier. Enfin, il y a un côté un petit peu circulaire en fait. C'est juste en gros, c'est comme ça que ça marche. Sans vraiment avoir de bonnes explications. Ouais. Alors, du coup, moi j'ai. Donc, la question perfide, c'est bon, sans être trop technique, si tu veux bien, il y a certainement des gens qui résistent ou qui s'opposent pour de bonnes ou de mauvaises raisons à la théorie. Peut-être que vous avez totalement tort, c'est possible. On doit toujours avoir l'idée que peut-être l'hypothèse est fausse. Alors, est-ce que tu peux nous dire si, à l'heure actuelle, il y a des objections, des arguments qui s'opposent à la théorie, qui te semblent intéressants et qui te semblent devoir apporter de votre part de la recherche de nouveaux faits, de nouvelles preuves qui pourraient confirmer l'hypothèse ou au contraire qui pourraient la réfuter? Alors, je pense qu'un des points sur lesquels on a une... Donc, ce qui est assez marrant, en fait, c'est que tout l'aspect... on a une bonne explication du biais de confirmation. Ça, je pense que dans la mesure où le biais de confirmation, comme on disait tout à l'heure, est quelque chose d'assez consensuel, ça a été dur un petit peu pour les gens de dire non, parce que tout le monde est un peu d'accord là-dessus. Après, en fait, l'autre prédiction qu'on fait, comme je mentionnais aussi en vitesse tout à l'heure, c'est que quand il s'agit d'évaluer les arguments, là, on devrait être assez objectif, en fait. On devrait être assez bon pour reconnaître de bons arguments, même si la conclusion nous plaît pas, même si ça vient de quelqu'un et qui en fait pas confiance, et ça les gens sont pas d'accord. Et en effet, donc je pense que le poids de l'évidence tel qu'il le poids des le poids de l'évidence le poids des preuves telles qu'elles existent maintenant va pas pour nous vraiment en fait. Donc c'est pas je pense qu'il y a moyen d'interpréter les résultats actuels en disant en fait il y a le raisonnement objectif qui est caché là, il y a une espèce de on est quand même capable de bien évaluer les arguments. Même quand on n'est pas d'accord avec la conclusion, même quand on ne fait pas confiance, mais dans les expériences telles qu'elles ont été faites jusqu'à présent, ça ne se voit pas bien. Mais en effet, là, je pense que le fardeau de la preuve est plutôt sur nous pour dire non, il faut qu'on développe de meilleures expériences pour montrer qu'en effet, même quand on n'est vraiment pas d'accord avec quelque chose, tu prenais ces gens avec qui tu avais débattu et
tu vois, que tu n'avais pas réussi à convaincre. Donc ce que j'aimerais bien réussir à montrer, c'est que dans leur tête, il y a quand même... Enfin, tu peux imaginer qu'en effet, enfin, tu vois, typiquement, tu prends par exemple un débat de la présidentielle où tu as les deux candidats, là, c'est évident qu'ils n'ont aucun intérêt à vraiment évaluer les arguments de l'autre. Il y a d'autres intérêts dans le débat. C'est ça, en fait, c'est pas un vrai débat. L'idée. C'est ça, c'est exactement ça, ça n'a rien à voir avec un débat, ils ont pas, enfin on appelle ça comme ça, mais ils parlent, enfin c'est une façon de parler au public en interactif quoi. Mais donc là en effet, on peut imaginer que le raisonnement s'active pas du tout juste parce que tu n'en as vraiment rien à faire des arguments de l'autre, c'est pas l'objectif. Mais à partir du moment où tu te sors de ces situations qui sont quand même un petit peu extrêmes, même quand tu es face à quelqu'un où tu as l'impression qu'il résiste, ce que j'aimerais bien réussir à montrer, c'est qu'en fait, tu as quand même un petit mécanisme de raisonnement dans sa tête qui s'active. D'accord. Et qui lui dit quand tu donnes de bons arguments. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va peut-être pas juger que l'argument est suffisant, ou il va peut-être refuser d'admettre qu'il a trouvé l'argument suffisant, mais j'aimerais bien montrer que tu as ce petit truc qui s'active et c'est pas facile à montrer. Parce que, justement, parce que des fois, tu n'en as même pas conscience, en fait, parce que absolument. Tout ce dont tu as conscience, c'est je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà, tu m'as donné un argument. Je suis pas, toi, tu m'as pas convaincu, j'ai pas changé d'avis. Ça me déplaît, j'ai pas. Et t'as pas conscience de savoir, est-ce que c'est parce que t'étais tellement pas d'accord avec la conclusion au début que l'argument a pas suffi à te convaincre, ou est-ce que parce que t'as pas trouvé que l'argument était vraiment mauvais, on n'est pas forcément capable de faire la différence comme ça au niveau introspectif. Mais ce qui est intéressant, peut-être, enfin, tu es sûrement au courant de ces choses-là, mais je vais pas le nom des auteurs, mais il y a des travaux qui ont tendance à montrer que lorsque les gens sont vraiment dans une croyance forte, dans un système religieux, dans un système politique, enfin, des choses un peu extrêmes et vraiment très très fortes, apparemment, il faut qu'il y ait six crises. Il faut qu'il y ait six éléments de doute qui passent par des débats, etc. Et donc, du coup, c'est vraiment, ça passe jamais par le fait qu'ils ne sont jamais convaincus pendant qu'ils parlent. C'est après coup qu'il y a une sorte de digestion des éléments. Et dans quelle mesure ça rentre ou pas dans le cadre de l'hypothèse, enfin, de la... Alors, je pense qu'en effet, je pense que là, ça confirme. Donc, je pense que ça colle un petit peu avec la théorie dans le sens où ce qui devrait se passer, enfin ce qui à mon avis se passe dans ces cas-là, c'est en effet, donc les gens quand ils sont au cours de la discussion, il y a ce petit morceau de leur tête de raisonnement qui évalue tes arguments, qui se rend compte qu'en fait c'est d'assez bons arguments, mais en même temps il y a d'autres mécanismes cognitifs qui sont en train de dire bon là je suis dans un débat qui est assez chargé émotionnellement, etc., où j'ai pas envie de passer pour un con, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui change d'avis facilement, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui laisse tomber les gens qui sont toi, de sa religion, de son courant politique, etc. Et du coup, tu continues à maintenir le point de vue que tu avais au début. Mais en effet, tu vois, ça suggère quand même qu'il y a le petit truc dans ta tête qui soit, il s'est activé à ce moment-là et son output a été caché par le reste, soit bah, tu te souviens des arguments après, et puis le mécanisme s'active à ce moment-là. Et du coup, ça suggère que même quand t'es vraiment persuadé de quelque chose, bah, t'as toujours le raisonnement qui est là et qui te dit bon, « bah non, écoute, là, il y a quand même de bons arguments de l'autre côté, faut peut-être que tu réfléchisses. » Et c'est assez rassurant, on va dire, de la manière de... Enfin, il faut jamais penser que les gens sont enfermés à vie dans un système... Non, sinon il n'y aurait jamais eu... Enfin, tu vois, sinon il y aurait encore zéro athée dans le monde, parce qu'il y a un moment où tout le monde était religieux. Enfin, en tout cas, tous les Occidentaux étaient religieux. Et puis maintenant, il y en a, je sais pas, peut-être la moitié qui ne sont plus. Donc, il y a forcément des shifts énormes qui se sont faits en quelques générations. Mais ça, au fil des générations, c'est une chose. Parce qu'après, il y a beaucoup. Oui, mais au fil des générations, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont changé. Alors, dans la mesure où. Non, pas forcément. Donc, ça peut être juste des gens qui naissent dans un monde qui est un peu différent par rapport aux informations qui... Bah oui, donc... mais si le monde est un peu différent, ça veut dire que les personnes d'avant ont changé. C'est la seule solution. C'est-à-dire, le monde physique n'a pas changé. Oui, mais la seule chose qui a pu changer, c'est les gens de la génération d'avant. Non, parce que les gens d'avant peuvent être enfermés dans leur vision du monde, mais avoir travaillé et produit des connaissances que eux n'ont pas intégrées comme il faut et que les générations suivantes. Enfin, les gens peuvent. En effet, oui. C'est pas faux. Mais c'est juste pour dire que voilà, que d'une certaine manière. Parfois, on a tendance à baisser les bras, à se dire que telle personne est irrécupérable, on va dire, comme ça, est enfermée dans un système de croyance. Et en fait, il s'avère que, bah, parfois c'est le cas, hein, mais qu'il y a quand même, il faut jamais s'attendre à avoir un résultat immédiat et que l'argumentation marche aussi en différé. Oui, tout à fait, oui. Mais en effet, c'est assez démoralisant parce qu'on a l'impression que la personne reste sur une défaite un petit peu. Mais je pense que c'est une des raisons pour lesquels on a tendance à sous-estimer en effet le pouvoir de l'argumentation, parce que souvent elle a des effets qu'on voit pas, parce qu'on a des débats avec des gens qu'on voit plus ensuite, ou bien avec des gens qui nous avouent jamais vraiment, qui en fait on les a convaincus. Et en effet, mais cela dit, en effet, il doit y avoir des données sociologiques que je connais pas sur l'évolution
la religiosité, par exemple, au cours de la vie. Mm-hmm. Et enfin, ce serait extrêmement surprenant. Enfin, on sait, il y a forcément plein de gens qui étaient religieux et qui ont arrêté d'être religieux. Après, il y a aussi, en effet, je pense que il y a des effets d'âge. En fait, je pense que quand on est jeune, on a peut-être des raisons qui peuvent être de bonnes raisons évolutives d'essayer de revendiquer des opinions assez fortes, assez extrêmes, et d'être très sûr de soi. Oui. Et puis de, c'est connu, et que après, on est beaucoup plus révolutionnaire à 20 ans qu'à 50. Voilà, enfin, c'est ce qui est. Donc voilà, après, il y a des changements qui peuvent être liés, donc en effet, pas à l'argumentation, mais à des changements de contexte, parce que moi, voilà, quand on a. Notre vie change, et du coup, on a plus intérêt à. Et j'aimerais insister sur un truc dont tu as parfaitement conscience, mais que les gens n'ont pas forcément à l'esprit, c'est que c'est pas parce qu'il y a la théorie que le raisonnement a évolué pour l'argument que c'est ça la seule raison. Il faut éviter de penser qu'il y a une seule cause au phénomène évolutif. Oui, non, c'est possible qu'il y ait qu'une seule cause, mais c'est possible qu'il y en ait plusieurs. Voilà, mais on a toujours tendance, nous, êtres humains, à attribuer une cause à un effet. Et c'est important de dire que là, il y a certainement c'est plus ou moins démontré maintenant qu'il y a une forte dimension quantitative dans la manière dont le raisonnement est structuré. Voilà, mais ça ne veut pas dire que ça a été prouvé qu'il y a que ça qui a joué. C'est ça que ça veut dire. Non, en effet, non, c'est pas. On peut très bien imaginer que, par exemple, d'autres fonctions sociales, en effet, comme le fait de justifier qui est assez proche de l'argumentation, et jouer un rôle important. Après, en effet, donc pour ce qui est d'une fonction plus individuelle, ce serait dur de voir comment est-ce qu'on pourrait la réconcilier avec des choses comme, en effet, le biais de confirmation, qui semble vraiment aller à l'encontre complètement de cette fonction-là. Oui, mais en effet, tout à fait, oui. Et puis, en effet, donc, le raisonnement, dans ce moment, il a évolué pour quelque chose, et puis maintenant, il peut être mis à. Enfin, on peut s'en servir de plein de choses différentes. Okay. De manière qu'en effet, notre système visuel n'a pas. Donc on a un petit truc dans la tête, sûrement, qui a évolué pour reconnaître les visages. Il a évolué pour reconnaître les vrais visages d'humains. Il n'a pas évolué pour reconnaître les visages qu'on voit à la télé, les visages qu'on voit sur les photos, les caricatures, les dessins, les photos. Enfin, et ça n'empêche pas qu'on s'en sert des fois plus comme ça que pour voir des vrais gens. C'est aussi important. Ça, je crois qu'on. C'est une idée que Stephen Jay Gould avait vraiment. Appuyer, c'est qu'il ne faut pas confondre l'usage qu'on fait d'un organe d'une fonction actuelle avec les raisons pour lesquelles elle a évolué. Oui, c'est-à-dire qu'en effet... Le raisonnement a pu apparaître pour certains contextes, et maintenant il sert dans d'autres contextes. Oui. Et voilà, il n'y a pas de raison qu'on revienne à ce qui était fait avant, c'est pas parce que c'est naturel que c'est mieux. Exactement, en fait c'est marrant, parce que dans ce cas-là, en effet, donc on peut pas, il n'y a pas un argument moral pour dire, voilà, maintenant, parce que si, mettons qu'on ait raison et que la fonction principale du raisonnement ce soit d'argumenter, il n'y a bien entendu pas un argument moral qui dirait, bon, maintenant vous devez utiliser le raisonnement comme ça. Voilà. Mais en effet, on peut quand même imaginer, genre, c'est assez plausible de faire un argument, pas moral, mais un argument pratique indirect, qui est de dire, si le raisonnement est fait pour argumenter, c'est ça les contextes dans lesquels il marche le mieux, si on veut raisonner bien et si on veut que le raisonnement nous mène à de bons résultats épistémiques, à de meilleures croyances, à de meilleures décisions, c'est peut-être plus raisonnable de l'utiliser dans de le faire, de la manière que si on donne un marteau, c'est plus raisonnable de l'utiliser pour enfoncer un clou que pour enfoncer une vis. Oui. C'est pas un argument qui est complètement trivial, mais il y a quand même une espèce d'argument a priori pour dire il y a des chances que ça marche mieux si on fait faire un mécanisme. Donc dans la mesure bien entendu où donc là, ce qu'on dit c'est quand même que donc le raisonnement à la base ça sert à convaincre les autres et ça sert quand on veut être convaincu, quand on décide si on veut être convaincu ou pas, au final à avoir de meilleures croyances, donc à être convaincu quand on doit être convaincu, à accepter d'avoir tort quand on a tort, et ça c'est une bonne chose. Et donc si on a plus de chances de faire ça quand on discute avec d'autres que quand on raisonne seul, c'est un bon argument pour discuter avec d'autres plutôt que de raisonner seul. Voilà, et c'est bien pour ça qu'on discute à plusieurs ici ce soir. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se rendre compte que la manière la plus efficace dont on produit des connaissances se rapproche beaucoup de ça. Dans la science, on discute. Oui, tout à fait. On voit bien, ce serait un effet, comme je disais tout à l'heure. Enfin, il y a le cas des mathématiques, en fait, qui colle. Donc il y a des mathématiciens qui fonctionnaient de manière extrêmement collaborative, comme Paul Erdős. Mais il y en a d'autres qui sont en effet, comme le russe qui a refusé la médaille Fields, je ne sais plus comment il s'appelle, Perelman, qui a cette réputation comme ça d'ermite, qui travaille beaucoup tout seul. Donc il y a des domaines en fait où, pour des raisons dont j'ai une idée sur ces raisons-là, mais c'est un peu technique, les gens peuvent raisonner assez bien tout seul, tout en sachant qu'en effet, il faut quand même que le résultat soit validé par la communauté pour qu'on sache s'il est bon ou pas.
Mais en effet, les gens peuvent raisonner assez bien tout seuls dans ces cas-là. Ouais. Je pense qu'on arrive à la fin. Alors, je me retourne vers quand même, parce que le chat a été très très. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Je veux passer vite fait. J'ai pas pu participer, donc je crois que Vlad est sur le. Voilà. Sur le chat. Est-ce qu'il y a des questions qu'on fait remonter à Hugo avant la fin? Je vois rien de. Bon, bah alors. Ils ont beaucoup discuté entre eux. Malheureusement, le problème, c'est que moi, je n'aurai jamais accès au chat, parce qu'une fois que c'est. Enfin, une fois que c'est fini, les messages disparaissent. Donc je verrai pas. Évidemment, il n'y a pas trop de questions qui te reviennent. Est-ce que tu aurais un mot de conclusion sur. Je sais pas, sur ce que tu veux. On a Vled qui revient et peut-être qui va nous faire remonter des questions. Les gens posaient des questions, ça peut être intéressant de dire, sur une manière d'établir un protocole expérimental en sciences cognitives, notamment sur le biais de confirmation. Alors, voilà. Les gens qui demandaient comment ça marche. Comment ça marche ? Ça, c'est une très bonne question. Tu as entendu la question ? Oui, j'ai entendu la question. Alors, c'est marrant parce que c'est. Donc, il y a des. Là, ça dépend combien de temps vous avez parce que c'est un peu long. En fait, il y a une façon. On a du temps. Ah, d'accord. Mais je vais. Après ça, il faut que j'aille faire dodo. Mais. Voilà. Une façon très simple et comme ça intuitive d'essayer de démontrer le biais de confirmation, c'est juste de demander aux gens voilà un sujet donné, je sais pas, quelle est votre opinion sur la peine de mort ou sur l'avortement. Enfin, c'est des sujets qui sont controversés aux États-Unis en tout cas. Donc, les gens donnent leur opinion et puis ensuite, on leur demande de faire une liste des idées qui leur viennent à l'esprit quand ils pensent à ça. Et les gens font ça, et on se rend compte que l'immense majorité des idées qui leur viennent à l'esprit, en effet, sont en accord avec soutiennent la position qu'ils ont. Mais on peut se dire, ça peut ressembler à un biais de confirmation, mais en même temps, ça semble être assez rationnel, donc ce serait bizarre si les gens donnaient plus d'arguments contre leur point de vue qu'en faveur de leur point de vue. Et du coup, les expériences qui, à mon avis, donnent la meilleure démonstration du biais de confirmation, sont des expériences qui utilisent un paradigme expérimental nouveau, enfin qui a peut-être une dizaine d'années maintenant, qui s'appelle « choice blindness » en anglais, donc la cécité au changement. Oui. L'idée de ce paradigme, c'est de faire croire aux gens qu'ils ont pris des décisions ou qu'ils ont des croyances qu'ils n'ont pas vraiment, en faisant des espèces de trucs de tours de magie. Et donc dans l'expérience qui me semble être la plus pertinente pour le point du biais de confirmation, ce qu'ont fait les expérimentateurs, c'est ils ont été voir des gens dans la rue en leur posant une série de questions, donc comme quelqu'un qui fait des sondages dans la rue comme ça. Donc il a une espèce de clipboard, donc vous savez, une espèce de feuille rigide avec un truc en haut et puis avec un ensemble de feuilles dessus, enfin pas une feuille mais un support rigide avec des feuilles dessus. Et donc sur cette feuille il y a un ensemble de questions. Donc dans ce cas-là, c'était des questions politico-morales du style. Est-ce que vous pensez qu'il faut favoriser la sécurité au prix de la privacy, de la privauté, de la vie privée, au prix de la vie privée? Et les gens répondaient sur une échelle entre 0, entre 1 et 7, disons. Il y avait toute une série de questions comme ça. Donc les gens répondent aux questions. Ensuite, ils rendent le questionnaire à l'expérimentateur. Et là, l'expérimentateur fait une espèce de tour de magie où, en fait, il colle sur la feuille. Donc, il retourne une feuille qui était en dessous, il la met dessus. Et au dos de cette feuille-là, il y avait un truc qui était collé, qui maintenant se colle sur la feuille de réponse des participants, qui, en fait, inverse le sens de certaines questions. C'est-à-dire qu'il y a un petit autocollant qui se met. Donc, par exemple, sur la question qui précédemment était « Vaut-il favoriser la sécurité au prix de la vie privée ?» maintenant, ça s'est dit, faut-il favoriser la vie privée au prix de la sécurité? Mais par contre, les réponses n'ont pas changé. Donc, quelqu'un qui avait dit, oui, je soutiens la sécurité au prix de la vie privée, maintenant dit, je soutiens la vie privée au prix de la sécurité. Et donc, après, l'expérimentateur rend ce truc-là aux gens et leur demande de dire, voilà, maintenant, est-ce que vous pouvez m'expliquer exactement pourquoi vous pensez ci ou ça? Et ce qu'on observe, c'est que il y a plus de la moitié des gens qui ne se rendent pas compte qu'il y a eu le tour de passe-passe qui a été fait, donc ils se rendent pas compte qu'ils sont en train maintenant de défendre des opinions qui sont l'inverse des opinions qui venaient de donner il y a vraiment une minute avant. Et ensuite, donc, quand on compare les arguments que les gens génèrent quand on leur demande de justifier leurs opinions, on se rend compte qu'il n'y a aucune différence. Selon la façon dont on voit les choses, soit c'est complètement l'inverse, ou il n'y a aucune différence entre la version manipulée et la version pas manipulée. C'est-à-dire que dans les deux cas, les gens donnent plus de 90% d'arguments qui soutiennent leur opinion, que ce soit leur opinion réelle, entre guillemets, l'opinion qu'ils ont vraiment donnée au début, ou l'opinion qu'on leur a attribuée, et qui est l'inverse de ce qu'ils avaient dit une minute avant.
Et donc là, ça montre bien que ça peut pas être les croyances, ça peut pas être le cas que les gens ont réfléchi, ils ont regardé quels étaient leurs principes moraux, etc. Ils ont déduit une conclusion. On sait que les gens sont intuitivement arrivés à une conclusion. Alors, soit ils sont intuitivement arrivés à une conclusion, soit on leur a dit que c'était ça leur conclusion, on leur a menti. Et ensuite, à partir de là, bah, ils inventent tout un système de principes, ils inventent tout un ensemble de raisons pour justifier cette position, quelle qu'elle soit. Et c'est marrant parce que ça revient un peu à ce qu'on disait sur le raccourci. Le cerveau ne peut pas avoir en permanence conscience de tous ses calculs. Il arrive à des conclusions qui sont le choix sécurité ou liberté. Et après, voilà, il s'en tient à ça parce que s'il est arrivé à ses conclusions, c'est qu'il doit avoir de bonnes raisons. Donc, oui, exactement. Il c'est pas il a confiance dans sa conclusion. Et après, si on demande de justifier, bah, il va refaire le même travail. C'est-à-dire qu'il va chercher des... Oui, surtout le cerveau, il assume, quand on dit, moi, il assume que l'intuition qu'il a au début était une bonne intuition, ce qui est complètement rationnel pour la peine, dans le sens où la plupart de nos intuitions sont bonnes. Et il part de ça, il se dit, bon, bah voilà, moi je pense ça. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je trouve des raisons pour ça, bah je vais trouver des raisons pour ça. Et les gens le font très très bien. Et donc voilà, donc un exemple d'expérimentation, de protocole pour vérifier si... Voilà, amusez vos amis avec le biais de confirmation. ça se fait en fait, c'est pas très gentil de faire ça à ses amis, mais ça peut se faire, ouais. Ben, en fait, nous, on n'a plus d'amis parce qu'on fait ça tout le temps. Moi, j'ai arrêté, ouais. On est magnifique. Est-ce qu'il y a donc un autre exemple parlant d'expérience pour tester ce type de biais? Ou c'est principalement ça? Non, il y en a plein d'autres, en fait, mais je pense que c'est celle-ci les meilleures, donc... en fait, c'est vraiment compliqué, il y a plein d'expériences qui montrent peut-être un peu de biais de confirmation, mais donc c'est, si on veut vraiment faire une preuve qu'il n'y a pas une espèce d'explication sans biais de confirmation des résultats, c'est dur, en fait. Je pense qu'à part les résultats que je viens de mentionner, c'est pas facile. Donc il y a plein de cas dans lesquels... C'est très très probable qu'il y ait un biais de confirmation, mais on n'a pas vraiment une démonstration parfaite. D'accord. Ben moi, je trouve ça vraiment intéressant. On va essayer de suivre un peu les progrès de ce champ disciplinaire, même si on n'est pas expert de domaine. Éventuellement, si jamais il y a d'autres publications intéressantes, etc., on te rappellera pour nous expliquer des choses qu'on comprend pas très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai quelques petites choses à dire avant la fin. Donc, si tu as une petite conclusion à faire par rapport à ce que tu as dit ou des conseils de lecture à donner aux gens que ça intéresse en effet, s'il y avait des conseils de lecture, en effet, je voyais dans les commentaires que les gens cherchaient un peu des trucs en français. Je pense que l'un des livres qui m'a le plus influencé, c'est vraiment Comment fonctionne l'esprit de Steven Pinker, qui est vraiment qui est un tout petit peu daté maintenant, mais qui est vraiment quelque chose de très très important. Puis en effet, sur cette histoire de Manculus et tout, il y a un livre qui est très beau aussi de Daniel Dennett qui s'appelle La conscience expliquée. Oui, bah, je suis en train de le lire d'ailleurs. Un abonné qui nous l'a offert, donc merci beaucoup pour le cadeau. Entre-temps, on m'a offert ça, donc qui est à voir, donc c'est Gérald Brunner, c'est très intéressant. Ouais. Donc je finis ça et je reviens à Dennett juste après. Consciousness Explained. Consciousness Explained, voilà, donc la conscience expliquée. Et un autre de Dennett qui est très bien sur le thème de l'évolution, c'est le Darwin's Dangerous Idea, l'idée dangereuse de Darwin. C'est pareil, je l'ai aussi. Et c'est brillant. Par contre, je l'ai vu qu'en anglais. Ah, je sais pas, en fait, c'est possible qu'il ait pas été traduit malheureusement. C'est quelqu'un qui est. De mon point de vue, c'est un des rares philosophes vraiment qui a compris ce que c'est que la biologie. C'est pas un des rares. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de philosophes. Non, mais récents, quoi. Les philosophes récents. Il y a toute une branche de la philosophie analytique qui est dédiée à la philosophie de la biologie où les gens connaissent très, 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 très bien la biologie. Mais je ne les ai pas lus, en fait. Non, voilà. Donc je parle que ce que je connais un tout petit peu. Mais Dennett, pour moi, c'est une référence. Vraiment, j'en connais pas. Oui, non, en effet, ouais. Mais sinon, en effet, dans les trucs en français, y a le gène égoïste, bien sûr, mais qui ne parle pas du tout de psychologie pour la peine, qui est vraiment la base un petit peu de l'évolution. Dawkins, il est traduit pour le coup. Ouais, il y a les trucs de Richard Wright qui sont très bien aussi en termes de psychologie évolutionniste. Robert Wright. L'animal moral. Est-ce que ça doit être... Il y a deux Wright qui doivent faire le même. Je sais plus, ça me reviendra. Et est-ce que les bouquins de Franz De Waal ont un lien avec tout ça? Enfin, c'est plus pour la morale, je crois. C'est plus, en effet, c'est plus sur la morale. En effet, il a écrit La politique du chimpanzé, est un très très bon livre qui est vraiment très très agréable à lire. J'ai pas encore lu tout ça. Et qui ouvre vraiment des perspectives sur la,
sur les capacités cognitives et donc la complexité sociale de la vie des chimpanzés. Enfin, ça se lit comme un thriller quasiment, parce que on suit un petit peu comme de l'intrigue entre les différents personnages, qui est une vraie intrigue, enfin, qui est quelque chose qui s'est vraiment passé à Arnhem dans son zoo. Et c'est très agréable à lire. Ouais. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Merci pour la question. Tu veux bien rester en ligne? On va juste passer à la conclusion. Vlad va prendre une minute pour dire des petites choses à nos abonnés. Je soliloquer deux minutes pour rappeler que j'existe dans l'émission malgré le vent, la tempête et la maladie. Tu es malade, mais tu... Pour conclure l'émission, voilà, regarde, je te laisse même tout. Regarde. Oh, eh bien, dis donc. J'ai les deux écouteurs Jack le chien. Vas-y, tu peux dire tout, tu peux représenter tout ça. Voilà, je montre juste que ce sont de magnifiques écouteurs Jack le chien. Et bah voilà, c'était super intéressant. Moi, du coup, c'est un c'est un live auquel j'ai participé de manière un petit peu différente, dans la mesure où je me suis retrouvé au bout d'un moment dans le chat avec vous. Mais c'était une bonne manière de faire, en fait. Je pense qu'on va en parler à Mandax, mais je me dis que ce serait pas mal qu'on fasse ça. Dans la mesure où, quand on fait un live, on est deux à potasser le sujet, ce serait bien qu'il y en ait un qui anime le live et l'autre qui s'occupe du chat. Je pense qu'à l'avenir, on va peut-être essayer de voir pour faire ça. Parce qu'il y a pas mal de questions, des petites questions qui n'auraient pas nécessairement mérité des interventions que j'ai pu répondre. C'est compliqué d'être sur le chat. Hein. On ne peut pas être sur le live et dans le chat en même temps. En tout cas, voilà. Ouais, en effet, il y a des questions qui étaient intéressantes. Ouais. Voilà, mais sur lesquelles, parce qu'on était déjà parti sur quelque chose de très très intéressant ici, ne pouvaient pas être trop évoquées. Ou alors parce que ça nécessitait des réponses tellement ponctuelles et courtes que c'était pas forcément les plus intéressantes à souligner, voilà. Donc du coup, je pense que ce serait intéressant de faire comme ça. Okay. Voilà, et donc je vais moi aussi remercier Hugo en mon nom, personnellement, parce que c'était super intéressant et c'était vachement agréable d'avoir ce type de live-là. Et puis, on va dire à tout le monde à très très bientôt pour... En fait, t'as plein de choses à annoncer à la fin. D'abord, donc... Si vraiment tu avais des choses à me faire dire, voilà. On va assumer totalement le fait là, que tu écrives tout ce que je dis. Mais non, tout. À la fin, tiret, espace insécable. Remercier les tipeurs et rappeler notre tipeur. Ah oui, parce qu'il nous faut de l'argent. Voilà. Alors, on va dire merci à tous les tipeurs qui se saignent aux quatre veines pour nous. Parce que sinon, sinon l'émission ne serait pas aussi chouette, parce que ça nous permet d'acheter des livres qui nous permettent d'alimenter l'émission et bientôt une webcam, on va acheter une webcam et d'acheter bientôt une webcam et du matériel qui nous permettront d'éviter les premières 20 minutes très très embarrassantes que nous avons eues. Alors on est désolé. Hein, voilà, on va acheter de quoi avoir un casque. On a résolu le problème. Alors qu'est-ce que je t'ai écrit après? Donc merci à tous et si jamais il y en a qui ne savaient pas qu'ils avaient le droit de nous donner de l'argent, eh bien sachez-le, nous avons un Tipeee. Et un Tipeee, c'est pratique. Et ce sera très bien dépensé. Vous pouvez donner 1 euro ou 2000. Oui, voilà. Voilà. Donc les sorties, les vidéos qui viennent de sortir. Ah oui, si tu peux rappeler, si c'est parce que ces dernières semaines on était un peu actifs. On a sorti pas mal de choses, voilà. Bon, déjà on a été présents sur pas mal de salons. Alors c'est chouette parce qu'on en a vu pas mal d'entre vous. On a fait des conférences dont plusieurs seront mises en ligne bientôt. D'ailleurs Mandax tout seul, comme Mandax et moi. Donc c'est chouette. Et dernièrement, ce qui est sorti, on a sorti une pastille en triptyque avec Climen et le Psylab sur l'effet placebo. Dans lequel on a donc abordé trois manières différentes de considérer l'effet placebo. Nous, on a parlé de l'effet placebo plus dans l'aspect social, biais et compagnie. Historique et tout ça. Voilà, Climen, qui est pharmacien, enfin étudiant en pharmacie, lui, il a fait plus dans l'aspect pharmaco des choses. Homéopathie. En parlant de l'homéopathie, exactement, qui est quand même un exemple assez symptomatique de l'effet placebo. Le Psylab a parlé de l'aspect plus psychiatrique. Et de tout ce qui avec se passe dans la tête à ce niveau-là. Avec le conditionnement, etc. Voilà, j'ai sorti ma première pastille sur une pastille de Vlad sur les termes inhérents à tout ce qui concerne les croyances, croyances religieuses, donc athéisme, et les incroyances. Agnosticisme et les incroyances, voilà, agnosticisme, toutes ces choses-là. Nous avons sorti une petite vidéo hors série sur William le médium, qui est un gentil médium qui nous a écrit. Dans les locaux de la tronche en biais. Déconnez pas trop parce qu'il y a une personne de la page zététique, voilà, qui s'amusait à décortiquer un peu la méthode à l'œuvre dans ce type de pseudo-escroquerie, parce que si on dit le mot, on court des risques. Et selon lui, il serait probable que ce serait une sorte de mafia de l'Europe de l'Est. Alors, je suis très très fâché que tu l'aies dit, parce que maintenant on est vraiment en danger du coup. Non, alors, raison de plus pour nous envoyer des tips, parce qu'on doit partir au Mexique. Mais surtout, vous faites chier, parce que c'est mon IP là quand même. Du coup, je tiens à dire à William que tout est pardonné. Oui.
On lui envoie les 19 euros s'il veut. Et puis pour ces trois articles, pour ces trois vidéos, il y a un article consacré qui a été fait sur le blog La Menace Théoriste, qui est tenu par Mandax, qui se trouve à mes côtés. C'est vrai ? Eh bien oui. Et à la rentrée, virgule, vous aurez droit à un nouvel épisode de La Tronche en Biais sur les biais de confirmation. Ça alors. C'est un peu lié. Hein. Tout était prévu. Tout est lié. Voilà, et une autre vidéo sur le scepticisme au Moyen-Âge. Voilà, qu'on a tourné en partie à Montbazon. Absolument, et en partie dans des abbayes, des petites choses sympas ouais. qu'on a vues sur la route. On a même été à Brocéliande. On vous gâte. Oui, bon, j'ai cassé ma voiture. Alors... Et t'as cassé ta voiture dans un fossé. Non, tout va bien, c'est étonnant. Et puis, il y a un prochain live qui va arriver très très vite. Donc, c'est le 5 août, c'est mercredi prochain, je crois, ou jeudi prochain. Le 5 août. Calendrier. Bon, voilà, ce sera le 5 mercredi, août. Mercredi. Voilà. Mercredi. Avec Poisson Fécond, au sujet d'une vidéo qu'il a sortie dernièrement sur la vie après la mort. On va revenir sur cette vidéo avec lui pour discuter du sujet de la vie après la mort, du sujet des near-death experience. Donc, juste pour expliquer à Hugo qui nous écoute encore un peu. J'avais pas voilà. fini. Poisson Fécond est un gros vidéaste sur YouTube, il a 600 000 abonnés et il apporte pas mal de questions sous l'angle de ce que lui croit être vrai sur les choses. Alors, ça pose un problème par rapport à nous, notre démarche un peu plus sceptique, un peu plus rigoureux, etc. Et plutôt que de faire une vidéo où on démonte tout ce qu'il dit, on va dire d'une manière assez directe et méchante, justement, on l'a proposé à discuter avec lui. Émission, bah oui, de venir nous. À tous les niveaux. De venir discuter avec nous. Pour voir pourquoi est-ce qu'il croit ce qu'il croit et pourquoi est-ce qu'il pense que la science ne dit rien de ce qu'il croit. Voilà, on va essayer de discuter un peu de ça et ce sera mercredi prochain. Voilà. Voilà, donc là on a fini pour les annonces. Oui, donc, merci beaucoup à tout le monde. J'ai terminé de lire tes antisèches. Mais non, mais c'est. Il me contrôle. C'est important. La marionnette n'est pas qui on croit. Je vérifie tout. Voilà, et ben encore une fois, je vous dis merci à tous. Merci à Hugo Mercier. Ben merci à vous. Voilà, et on se revoit la semaine prochaine. Voilà, à très bientôt les gens, bye bye.